Salut à toutes et à tous, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, tranquillou la famille, j'espère que tout le monde va bien chez vous et que chez vous tout le monde va bien quoi, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas. Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que la famille va bien, tout le monde tranquille, que la vie est belle quoi, que c'est la fête, la chanson de Régis Caresseur, 1971, on chante c'est la fête. En fait, non, c'était pas la fête, c'était la crise économique, celle de 73, celle de 79, puis celle qui n'existe pas, mais qu'on invente pour faire style. Voilà, ça va mal, mais c'est pas notre faute, c'est à cause de ce qui s'est passé. Voilà, et en vérité, non, quoi, c'est juste une question de gros pognon qui bouge à droite à gauche. C'est un peu normal, peut-être. Voilà, quoi. Mais les technologies restant en Europe de l'Ouest, avant que l'Europe de l'Est, comme les Russes, tout ça, croient qu'avec leur pétrole et leur gaz, ils vont nous mettre à quatre pattes. On est en train de leur montrer que leur gaz et leur merde, ils pourront se vendre dans leur cul et aller voir ailleurs si on y est, quoi. Non, pas en poliment, bien entendu. Bien entendu, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Redouane Faïd et de ces procès infinissables. C'est dans l'infini, quoi. Ça dure, c'est infinissable. C'est carrément... Aujourd'hui, donc, le procès sur Redouane, enfin, depuis une quinzaine de jours, bien entendu qu'il accompagne, c'est par rapport à l'évasion qui a eu lieu la dernière si on vient de chercher le 1er juillet, ouais, en hélicoptère. Je crois que c'est le 1er ou le 2 juillet, quoi. Je suis même plus sûr, quoi. Ouais, ils sont venus et ils l'ont récupéré. Et là, chapeau. Ils ont vraiment plus commando, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont vraiment assuré. Salam, Hakim 113, Caballero, salam, comment vas-tu? Jeanne, le piton royal du Vieux-Port, comment vas-tu? Ça va bien tranquille, la famille, Hakim, Alim, Phil, Atrouche, salut, comment vas-tu? Ça va bien tranquille, Amiab, Jeanne, Hakim, Tadak, Maxou, Caballero, Mouns, la famille. Mohamed 13, salut Mohamed 13, comment vas-tu? Ça va bien tranquille, Baxou 33. Ouais, attendez, je redescends, quoi. Ouais, Alim, Filatrouche, nous dit merci, bien sûr, au taf. Allez, avec le taf. Regarde un peu pour qui tu trimes. Comme disait la chanson, quoi. Regarde un peu pour qui tu trimes. L'état de la jeunesse. Et ça me gratte, ça commence à me gratter, voilà, c'est pas cool. Pas le trou du cul, juste les pieds, quoi, les moustiques. David Murat, ou David Meira, comment vas-tu mon frère? Ça va bien, tranquillou la famille, j'espère que tu vas bien. Jeanne au Piton Royal, comment vas-tu le frère? Ça va bien, tranquillou la famille. Voilà, il y a quelqu'un qui me demandait, HH, I Hitler me demandait une photo. I Hitler, 88, HH, qu'est-ce que tu viens faire ici avec, en me demandant une photo? Ouais, tu sais quoi, je vais te la donner, ma photo, voilà, si c'est comme ça. Mais plus tard, quoi, c'est quand tu m'as envoyé ton mail, ton adresse, et on se captera, et là, je te serre la main, et tiens, je te file la photo. Ou je te serre la main, et je te mets une grosse patate dans la gueule, voilà, ça dépend. À toi de choisir, quoi, je pète le feu, je suis bouillant, je suis violent. Non, je rigole, c'est pas vrai. Salam, comment vas-tu, mon salam? Ça va, tranquillou, salam alaikum. Ouais, salam, mon frère, comment ça va bien, tranquille? Ouais. J'ai eu un PC il y a 4 jours de plus, j'ai eu des gros soucis avec la justice et de la santé. Ah, et la santé, c'est primordial, c'est important, la santé. La santé, c'est bien entendu pas la prison de la santé. La prison de la santé qui fait partie des prisons les plus pourries d'Europe, quoi. Les prisons en France, il n'y a pas d'argent, ils disent. Donc vous serez les derniers à... comme ça, ils vous le disent, hein. Ouais. Sinon, il n'y a pas de l'argent, mais il y a autre chose. Nous, on doit aller ailleurs, les prisonniers, tant pis pour eux, quoi. Bah, ils font des petits trucs quand même, tu vois, mais tu sais, bon, il y a 80 000 prisonniers, il y a 71 000 places, quoi. Donc, tu fais quoi? Ben, Macron, il s'est arrangé avec le Maroc. Il a dit, ouais, les 9 000 prisonniers en trop, on les envoie au Maroc, quoi.
Macron, il dit, bah, attends, on va faire une liste. Et l'autre, il dit, non, pas besoin de liste, t'inquiète. Tu fais une liste qu'au retour, quand il y en aura 10 ou 20 qui rentreront. Il dit, ok. Direction, t'en envoies 40 000. On peut faire pareil? Pas de problème. T'en envoies 40 000, il y en aura 3 ou 4 qui rentreront. Et ok. Si on en envoie 200 000, qu'est-ce qu'on fait? On dit pareil, il n'y a pas de problème. Tu en envoies 200 000. On renvoie un ou deux. T'inquiète, dans le sable, là-bas, on peut creuser, on peut foutre ce qu'il faut et ils seront vite mangés, quoi. Donc, n'allez pas chasser au Maroc du côté de là où ils vont jeter les prisonniers. Sinon, vous aurez l'air d'être un cannibale, quoi. Voilà. David Meira, ça va? Salem, comment vas-tu? Salem, dit Jojo, le 26, Thaï sera. Tu seras à la soirée de Momo frérot. Là, je peux pas te donner un truc direct, parce que ça se trouve le 26, avant que je descende à toute vitesse comme un chacal, et que ce serait très très embêtant. Là, j'aurais pas le choix, mais je sais pas en vérité. Alors là, je sais pas. Je serai dans 3-4 jours, quoi, avant que ça débute. Et là, je vais tout faire pour y être. Ouais, voilà, je vais tout faire pour y être. À la rigueur, j'arrive en retard, mais j'y serai, quoi. Ouais, j'y serai, quoi. Je vais tout faire, hein. Ouais, ma parole, quoi. Si t'es parisien, je vais appeler mon frère, voir s'il est là, un frérot, un bon frérot, ouais, un instituteur, une bombe nucléaire, quoi. Ouais. Tu me dis, vas-y, il y a moyen, taf, j'ai une place chez moi. Je dis, mec, j'arrive. Obligé, quoi. Ouais. Je suis dingue, bien entendu, je suis pas un soldat. Et on aura quelques bières. Ah, Caballero, tu seras mon frère. Ah ben voilà, passe. Si tu redescends du sud, passe me chercher, on y monte ensemble. Voilà. Ah ouais, tu verras. Ah ouais. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler de cette soirée, belle soirée que nous propose Mohamed Jadawaji. On sera plusieurs, peut-être, Inch'Allah, de salut Salam frérot, oui, Baksou, David, re David, re Jeannot, voilà la famille, hein, ça me fait plaisir de vous voir avec plaisir, oh, Inch'Allah, mon frère. Ah ouais, alors là, ouais, en plus, il faut que je te vois en plus, comment dire, les bons comptes, tu vois, il faut que je te vois, hein, je te dois des biscuits, quoi. Tu biscuits, tu sais que t'aimes bien tes fraises, putain, à l'intérieur, il y a une crème pâtissière, putain, ces biscuits Caballero, il m'a dit, j'en veux d'autres. Je dis, mais passe la prochaine fois, voilà, je te fais des beaux gâteaux. Voilà. À moi, sur si serait nous dit Baksou. Ah ben voilà, Baksou, genre là, on va tous y aller, quoi. On va tous y aller, quoi. Voilà. Puis quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, qui y est, tu vois, on ferme tout, quoi. On dit, non, viens pas, toi, on veut pas de toi. Non, je déconne, tout le monde. Ouais, on prépare ça depuis un petit bout de temps. T'as perdu ton tel, Jojo. Perdu. Ah, Caballero, ben monte 2 minutes, je te le renvoie, quoi, si tu veux, mon frère. Hein. Ouais, attends, je te le file ici, quoi. Peut-être pas ici, remarque, sacré, quoi. Mais voilà, monte 2 minutes si t'as 2 minutes. Merde, putain, je t'ai mis un truc qui n'a rien à voir. Ouh là 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 là. Il y a au moins 3 000 caractères. J'ai trouvé ça, moi. Bon. Attends, hop. Ah, d'accord. Et ça arrive, ouais, en plus, toi, t'es en mode James Bond. Et c'est vrai que t'étais beaucoup à toi, t'as pas mon frère, je sais. Voilà. Mais Grimm, si tu veux, là, voilà, mon frère, tac, je te le montre, je te le donne direct, la famille. Comme ça, voilà, on grimpe là-haut. On fait la Java. On va être bien, quoi. Aussi bien que pendant les vacances. Voilà, au cas où. Eh bien, regarde juste mon frère. Juste en dessous de je monte avec plaisir. Regarde, je t'ai mis la. Clac, la. Ah, voir si c'est bien le frère. C'est bien quelqu'un pourrait se faire passer pour le frère. Mais je sens que c'est le frère. Merde, est-ce que sont les photos? Putain, il n'y a plus de photos. Ah, si, elles sont là, des belles photos. Voilà, comme le chat et tout. Il est beau, le chat. On l'appelle le chat, il est beau.
Ouais, mon caballero, voilà, je te refile mon hume, mon frère. Non, oui, je connais quelqu'un qui a assisté, deux, trois personnes qui ont été. Ouais, je ne peux y aller qu'une fois, quoi, chez les gars. Peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, je peux pas le dire, t'as sûrement, je sais pas, je vais pas raconter. Mais il y avait des gens à Kim, ouais, il y avait des gens à Kim au procès de Raid, et c'est vrai que ils ont camouflé le procès. Hein. Normalement, un procès comme ça, on devrait le voir dans toutes les chaînes de télé. Alors, attention, Caballero, il est là, le frérot, ça va, les cousins. Hola, señor. ¿Cómo va mon Jojo? Voilà, ça va, regarde, Tu c'est Alto. m'entends? Oh, oui, je t'entends bien. Tu m'entends, frérot? Ouais, attends, je vais baisser le ventilo parce que. Ah, Non, c'est peut-être de chez moi. non, ça va aller. Je Là, suis. Jojo, ça fait plaisir, Ça fait mon gros plaisir, câlin. frère. Un gros câlin, ta petite enfer. Ouais, yes, ah oui, ça fait super plaisir, mon frérot. Putain, vu le temps, on disait, ouais, le frère, j'espère de Oui, te le parce que j'ai eu voir. entre-temps, j'ai eu un nouveau-né, tu vois. Ah, félicitations, Baraka. Merci. Ouh. Ah ouais, Baraka. Ah, Un putain. nouveau Ah, yes. petit, tu vois. Et puis, tu sais, comme Oui. je t'expliquais, enfin, j'avais deux, trois trucs qui se sont réglés, tu vois. Donc, t'as vu, j'ai pu profiter un peu, commencer à aller voir la famille, tout ça, tu vois. Ah oui. Et voilà, dans mes aventures, j'ai encore perdu mon téléphone. Un de mes Aïe, aïe, téléphones, aïe. c'est pour ça que je t'avais pas appelé entre-temps. Ben oui, ben je me doutais qu'il y avait un tralu, mon frère. Ouais, je Mais sais. oui, en plus, moi, t'as vu, je suis un type, pour voir des fois, mais si ça avait quand même du téléphone, je l'ai fait comme ça, après, par exemple, pour me poser dans un café. En train de parler, je vais mettre mon téléphone à côté, tu vois. Je vais partir, et Ouais. tu sais, comme je suis pas un mec qui a des réseaux sociaux, tout donc, tu sais. Eh Le ouais. téléphone, je vais prendre si j'en ai besoin, tu vois. Ben oui. Et des fois, frère, il peut se passer 3-4 heures. Waouh. Ah Et ouais. la Non, plupart du temps, quand je reviens à l'endroit, il n'y a plus le téléphone, tu vois. Eh ouais, chacun. Ça m'arrive aussi une fois d'en perdre un sur un parking. J'ai été voir la sécurité, ceci, cela. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de caméra, on ne sait pas, tati, tata. Et le pire, c'est que je l'ai entendu tomber. Mon pote, il me dit, t'as pas fait tomber un truc. Je dis non, c'est bon, tata, on se barre. Alors, je dis, oh, putain, t'as raison, j'ai perdu le téléphone. On y reva, il n'y avait plus rien. Les gens, ils sont arrivés, ils l'ont pris, ils se sont sauvés avec. Des enfoirés, quoi. Voilà, quoi. La vie est triste. Voilà. Ah, Oula. Ouais, alors attends, tac, ce que je vais faire tant que j'y pense. Ah voilà, chat privé. Je vais te mettre. Oui, en tout cas, ça fait plaisir. Tu sais, des fois, j'écoutais les audios, tu vois. Moon, c'est un gros salam à toi, à la famille, l'os familial. Les Eh caballeros. oui. Oui, des tueurs à l'étranger. Ouais, j'écoutais les rediffs, tu vois. Hier, pareil, hier, j'étais là, et puis après, tu sais, j'ai dû aller faire un truc. Donc, je vous ai laissé. Mais bon. Ouais, espérons que tout le monde va bien, la famille, tu vois. Oui. Ah ouais, mais c'est vrai. La santé, que tout le monde vaille bien, la santé, c'est le principal. Et quand elle est là. Pas tout dit, frère. Ah, regarde, là, c'est la bombe nucléaire, quoi. Ah, ouais. Et je connais Ah, mon merci, cœur. Mohamed. C'est un bon, on se rappelle. Regarde, je vérifie bien, j'ai Ouais, pas parce que hier, j'ai entendu que. Il risque qu'il va y avoir une soirée. Mais Ouais. si je suis dans le secteur, ben vas-y, Jojo. Je pense te récupérer, on passe faire là-bas. T'as vu, si je suis dans le coin, normal. Ah ouais, frérot. Ouais. On va essayer de s'arranger. Et voilà, quoi. Si. Non, moi, je vais pas te mentir. Hein, si je Oui. suis dans le sud et que je monte, c'est ma route. Eh Donc, dans oui. tous les cas, Ah oui, ouais. c'est un problème, ça. Ah oui, Toi, tout je juste. le fais, le petit détour normal. Ben C'est oui, même mon pas un frère. détour, au contraire. Oui, c'est. Après PX, t'as vu PX, BX, BX, PX, tu vois ce que je veux dire quoi, BX, Ouais. PX, et après clac clac.
Et après, t'es chez WAM, et après, on prend direction Paname. Voilà, je t'ai envoyé mon frère. Ouais, je t'ai envoyé mon phone. J'ai vérifié 4 fois, c'est le bon, quoi. C'est bon, impeccable. C'est que j'arrive pas encore à retenir mon numéro. Mais même moi, parce que c'est vrai que maintenant, t'as vu, c'est plus comme avant. Avant, on avait un carnet. Tandis que maintenant, vu que tu les mets à chaque fois, t'as vu, dans le répertoire, tu les mémorises plus, les téléphones. Non. Non, rien du tout. Voilà. C'est la galère, quoi. Puis, on me demande votre numéro. 06, mais voilà, quoi. Je suis comme un con, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu as vu, pour le frère Redouane, donc, il y a un livre donc, qui va sortir, mais avant de parler du livre, je voudrais parler un peu de l'affaire Redouane, quoi. Ils ont camouflé le procès. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais le procès, on essaye de ne pas en parler, alors qu'il est dans une des principaux palais, une pièce, là où il y a eu les dossiers du Bataclan, les ceci, les cela, les Abdeslam. C'est ici qu'ils le votent. Ils avaient monté une salle spéciale, une grosse salle, quoi. Et malgré ça, on demande, en gros, par derrière, à certains journalistes de ne pas trop en faire, voire de ne pas en faire du tout. Ce qui fait que... Le procès de Redouane, je veux dire, soit tu es au courant et tu vas voir ce qui se passe, soit sur les chaînes hertziennes, Redouane, qui était ennemi public numéro un, on n'en entend pas parler, quoi. Ou à peine, il faut vraiment fouiller, chercher. Si tu t'attends à la télé pour parler de quelque chose, sur Redouane, il y a Wael ou mon frère. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, parce qu'il sait très bien que c'est... Lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils savent très bien que, tu sais, il fallait un coupable, ils ont pris lui, quoi. Mmh. Ouais, puis après, quoi, tu vas reprocher à un homme qui a subi une injustice de vouloir être libre. C'est normal, ça, tu vois. Tu prends l'Allemagne, tu as plein de pays en Europe. Et quand tu t'évades, on te fait juste payer ce que tu as cassé, tu vois. On ne va pas te rajouter, tu sais, parce que c'est idiot. Et en plus, tu as vu, son affaire à lui, elle a été vraiment mystifiée, tu vois. C'est-à-dire, tu sais pourquoi. Oui, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Le frère, il a dû recevoir un appel. Peut-être un appel qui est de quelqu'un qui est dégoûté, qui aimerait être là, mais qui n'est pas. Peut-être, je ne sais pas. Attends, ça a coupé parce que j'ai reçu un coup de fil. Ah. Attends, Jojo, vite fait, je descends et je remonte. Il faut que je réponde au coup de fil. Ok, mon frère, à de suite, la famille. À tout de suite, la famille. Et ouais, c'est... Donc, ils ont camouflé, quoi. Ils ont camouflé le procès. Ils ont dit à des journalistes, allez-y, mais n'en parlez pas trop en dehors. Journalistes qui étaient cachés pour venir des fois, ou qui ont été interdits des plateaux pour parler du procès. Carrément, quoi... Les avocats de Redouane travaillent dur et n'ont pas le temps de parler à la presse, alors que ce serait leur truc, là. Il faut parler à la presse, il faut que ce procès, il éclate. Mais comme voilà, le procès, il fait du mal à pas mal de personnes, ben, en gros, il y a d'autres, indirectement, en gros, voilà, quoi. Les avocats ne parlent pas à la presse. On a pas mal de journalistes de presse, même de la gauche, qui fracassent Redouane, quoi, carrément, quoi. Mais bon, Redouane est intelligent. Éloquent, il parle bien et ça gêne le juge, ça gêne peut-être les jurys, ça les gêne car Red, ben, ça reste quand même un rebeu à leurs yeux, quoi.
et qu'il y a une policière, même si ça n'a rien à voir, pardon pour la policière, excusez-nous, voilà quoi, c'est son métier, elle est morte dans son métier quoi, je veux dire, elle n'est pas morte, voilà, tu rentres dans la police, tu sais qu'à un moment ça peut être bouillant quoi, c'est pas toujours, voilà, donc on va pas faire tout un baratin pour, voilà, c'est une policière qui est morte, il y en a combien qui se suicident des policiers à cause des affaires politico-mafieuses, hein, il y en a combien, là, se suicider c'est quelque chose de très fort. Là, elle s'est pas suicidée, elle s'est fait tirer dessus. Mais c'est voilà, c'est une affaire, malheureusement, comme une autre. Brigitte Choucroune, à l'époque, s'était fait tirer dessus. Il me semble que c'était à l'époque de Kider. Voilà. Bon, c'est pas nouveau. La mafia, combien elle en a battu. Si on commence la liste, là, dans 2 jours, on est encore là, quoi, à dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, toutes les balances qu'il y a eu en plus dans ce procès, que ce soit la première évasion, la première cavale, on dit, ouais, Redouane, il sait pas faire ses cavales, mais c'est quoi ces conneries, quoi, t'as déjà vu, près de 6000 policiers, là, il s'agit pas de 3000 policiers, 1% des policiers qui sont sur ces côtes, on a pris encore plus de monde, il y avait pratiquement 6000 personnes sur les côtes, quoi, ouais, toutes les balances, ils sont manipulés de main de maître par l'Oclo, et par certains autres indiques qui travaillent pour les flics, quoi. Alors, on leur promet monts et merveilles à ces indiques. Mais bon, parole de flic, parole... Bon, je vais pas le dire, quoi, mais bon. On se comprend, quoi. Ouais. Moment magique, quand même. Moment magique, irréel, dans le procès Redouane Faïd. On demande à Redouane de s'exprimer. Quand il a fini de parler, toute la salle s'est levée et a applaudi fort. C'était comme dans un meeting, quoi. Il est là, le frère. Il parle. Et là, tu as tout le public qui se lève et qui applaudissent. Waouh, ça les fait chier, quoi. Ils disent quoi? Parce que dans leur tête, c'est un tueur de flics. Alors que ce n'est pas le cas, ça a été, machiné, truc et bidule. Mais je dis, ouais, mais sans lui, la policière serait pas morte, c'est lui qui a monté le truc, ouais, les preuves, ben, on n'en a pas, oui, mais on sait que c'est lui. D'accord, mais tu n'en as pas, quoi. Tu n'en as pas, donc ça ne sert à rien de voilà, quoi. Il a tué la jeune policière, mais il n'était pas là. Oui, mais c'est lui, quelqu'un qui travaillait pour lui, oui, mais c'était surtout quelqu'un qui était une sorte de d'électrons libres. Et voilà le mal que ça a pu faire, quoi. Ça a pu faire qu'on s'est retrouvé. Attendez, j'ai eu des trucs. Ok, ouais. Et merci à Nadou. Nadou, ma sœurette. Nadou, t'es au top, la sœur. J'espère que bientôt tu monteras avec nous. Merci Nadou. Nadou a fait un travail dans l'ombre qui est exceptionnel. On est souvent ensemble, on parle beaucoup, connaît du monde, voilà quoi. Et ça tombe bien parce qu'on connaît les mêmes personnes en gros, mais elle connaît bien beaucoup de monde et c'est cool. Elle fait beaucoup de choses. T'aimerais bien, comment on fait pour mettre une modo au Facebook de Fréquence Radio, quoi. Si quelqu'un sait le faire, quoi, s'il pouvait mettre Nadou modo, ça serait chouette, quoi. Voilà, quoi. Ça serait sympa. Voilà, au moins un truc bien de fait, tu vois, dans la vie, on fait pas que de la merde. On fait des trucs bien aussi, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi. Ils sont malins, tu sais, mais... Bon. Moi, le seul truc que je demande, c'est on vit en paix. On vit en paix. Oh, putain, je fais tomber un truc, quoi. On vit en paix, on est en paix, on est tranquille, quoi. Ceux qui ont des rancœurs, des je sais pas quoi, ça va pas le faire, quoi. Parce qu'il n'y a pas de vengeance, là. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc, restez souples, les gens. Venez en paix à 100%. Sinon, dégagez.
sinon ça va très mal se finir pour vous. Tellement mal se finir que vous allez finir en psychiatrie, quoi, s'il faut, quoi. Donc dans votre tête, ça va. Voilà, donc soyez souple et la vie est belle. Oh, putain. Alors oui. Ouais, les indiques. Redouane est tombé dans un piège, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Que ce soit la première ou la deuxième fois, il est tombé sur des indiques. Il avait 3 000 à 4 000 types sur le dos, sur les côtes. Plus d'1% des. C'est énorme dans un pays de 68-70 millions d'habitants. Alors qu'en plus, il faut s'occuper des touristes. T'as 1 à 2%, hein, c'est-à-dire t'as entre les douaniers, la gendarmerie, la police, et, la PAF, et j'en passe, et des gens de la DGSI aussi. T'as à peu près, je sais pas quoi, 300, 300 à 400 000 personnes, à peu près, quoi. Ben, Redouane, il avait... Il avait un paquet de. Il avait entre 3 et 6 000 personnes sur le dos, quoi. À ce moment-là, qui bûchait. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Il s'est passé ça, tatitatata. Sur le terrain ou devant les ordi ou ceci, cela, ça n'arrêtait pas, quoi. Ça n'arrêtait pas. Ils le voulaient rapidement. Ils ont fait pression à certains. D'autres étaient partis en vacances, entre guillemets, et ont tout fait pour ne pas lui serrer la main en se disant, si on lui serre la main, demain, on est au placard. C'est ce qu'ils croyaient, voilà, mais c'était pas le cas, quoi. Mais bon, on se fait des films comme on peut pour justement expliquer, voilà, pourquoi j'ai pas fait ça, c'était dangereux, etc., etc. Alors que les types, c'est juste leur business qui les a rangés. Ouais, je veux faire sortir telle somme en liquide de la cité, impossible, je veux faire rentrer un truc dans la cité, impossible. Tout ça à cause de Redouane faillite, il nous fait chier, tatata, pif pouf, quelques temps après il se fait arrêter, quoi. Le hasard, Redouane voulait-il se faire arrêter? On peut se poser plein de questions, quoi, mais je pense que certains lascars ont peut-être du mal à se regarder dans une glace, ou pas. Ils sont peut-être en mode SS, on peut faire ce qu'on a à faire, et après on se regarde dans une glace... c'est normal, j'ai eu raison, etc., etc., quoi. Ouais, non, t'as pas eu raison, quoi. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Ouais, Red s'est fait arrêter. Qui l'a balancé? C'est sa première phrase. Quand il se fait arrêter, le premier truc qu'il demande, les flics, ils arrivent, ils défoncent la porte, ils cherchent dans les chambres, là, il est dans un immeuble de Creil, paf, 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 voilà, avec les armes, il lève Redouane et tout, et le premier truc qu'il a dit, c'est « Qui m'a balancé ?» Et là, un inspecteur arrive et lui dit « Écoute, c'est… » Non, je rigole. Non, on n'a jamais su, quoi. On n'a jamais su, on le saura peut-être dans 30 ou 40 ans, quand on ne sera plus là, 3G pour faire quoi que ce soit, quoi. On dira « Ben, je te pardonne en espérant que tu vas crever bientôt, quoi. » De 3 balles dans la tête. Voilà, quoi. Il y a eu des gens qui ont voulu à Redouane. Hein. T'en as, on les a retrouvés sur les Champs-Élysées. Ils se sont fait chalumer, quoi. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas? Redouane se fait arrêter, fait-il, dans la nuit. Le lendemain matin ou la nuit d'après, t'as 2 types qui se font rectifier, quoi. Alors, on peut dire, rapport ou pas, mais impossible à savoir, quoi. Impossible à savoir ce qui s'est passé, mais ça s'est bel et bien passé, et ça a fait... ça a fait du mal, quoi. Bon, excusez-moi, je suis... Voilà. Hakim, bonne soirée à toutes et à tous, mon frérot. Ouais, bonne soirée. Oui, en France, un affranchi, c'est une balance. Moons
Parfois, pas tout le temps, non. Il y a des durs quoi qui font pas ça, mais enfin, il y en a beaucoup quoi qui sont affranchis, on va dire, dans la drogue. Dans la drogue, ouais, je sais pas si on peut parler d'affranchi, mais ouais. Cette policière, elle n'a pas eu de chance, nous dit Habib. Salut Habib! Habib, comment vas-tu, mon frère au monde? C'est David Meira, Hakim 113. Ouais, il lui a dit, juste après avoir témoigné, il passait dans le box, il lui a dit qu'il n'avait rien à faire ici. Après la pause de midi, Mariani l'a dit à ses avocats, et ça a été bizarre. Ouais. Après, il s'est fait avoiner par la défense et la présidente du tribunal. Ça a été acté pour la suite du jugement. Sans les balances, les condés n'existent pas. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, une histoire de balance. Voilà. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme disait Redouane à l'époque, le but des gens là, c'est de m'abattre. Comme l'histoire où Violette Lazare qui avait sorti un livre, quelqu'un avait sorti un livre avant en disant ouais, Redouane, il va se faire flinguer par Sofiane Hamli. Ah bon? Red, il entend ça, quoi. Sofiane Hamli va s'occuper de moi. Ah bon? Peu de temps après, pendant que Red se faisait arrêter, Sofiane Hamli est mort. Il était dans un endroit, il était attendu. Quand il est sorti, il est parti plus loin, tu sais, peut-être se taper une trace de coke, fumer un joint, je sais pas, mais en tout cas, ils se sont arrêtés. Ils avaient peut-être rendez-vous avec quelqu'un. Hein. Ouais, peut-être ça, rien que ça, quoi. Il y a des caméras par là-bas, c'est peut-être pas le bon endroit pour tracer une ou deux traces de coke, mais on peut le faire, tu sais. Quand tu t'en as rien à foutre de tout, tu dis, allez, j'y vais, on se pose là et tout. Et un commando arrive et ta-ta-ta-ta-ta-ta, le shark. Ok. Qui est quoi? Qui est derrière qui est derrière quoi? En tout cas, entre Red et Sofiane Hamli, plus rien n'allait, quoi. Le premier, Redouane, pensait que le second, Hamli, Sofiane Hamli, pas Hamli, le trafiquant de cam, Sofiane Hamli, celui qui était dans des braquages, dans des grosses affaires, quoi. Bah lui, quoi. Lui, Redouane n'avait pas confiance en lui, quoi. Il s'était passé des trucs où tout le monde était passé, boum, la tête en avant, et lui, il était sorti tranquillement, quoi. Ça fait trop. C'était pas la première fois, et ça a fait trop. Attendez, excusez-moi, je regarde un petit peu ce qui se passe. Oui, à l'époque, Violette Lazare, quoi. Elle écrit que Rachid, avec l'AFP et des Corses, ouais, ils voulaient mettre un plan en marche, quoi. Et puis, dans ce plan, on dit comme ça que Redouane voudrait s'attaquer aux bergers braqueurs pour équilibrer aux bergers braqueurs, aux membres. Ouais, non, il veut s'en prendre aux bergers, il veut s'en prendre au clan Germanie, quoi. Il dit, libérez-moi et j'y vais, je fonce, tataf. Mais quelle preuve il y a de ça, quoi? Redouane, est-ce qu'il est assez bête pour dire, ouais, je vais rentrer dans une guerre avec ces gens-là? Ça va pas à la tête, il est loin de ça, lui. C'est pas un assassin, quoi. C'est un gars, tu lui proposes des coups, ouais, je suis là, je vais les faire, à ma façon, mais je vais les faire, quoi. Mais monter sur quelqu'un, le charcler, non, c'est pas mon truc. Surtout les réseaux corses, hein, il y a le système Vendetta, machin, habitude. Ouais. T'es chez toi, tu sais, 20 ans après, t'es tranquille, et paf, tu te fais flinguer, quoi. Donc, ouais. Est-ce qu'il risque d'y avoir confusion des peines? Ben non, il n'y aura pas confusion des peines, parce qu'en France, par rapport à d'autres pays, on les additionne. Si tu as 28 ans à faire, on va te dire c'est 28 ans plus 10 piges, 38 ans.
38 ans. Il n'a pas une goutte de sang sur les mains, quoi. Et on lui colle un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que tu veux que tu ne cherches pas à s'évader? Ça serait l'inverse qui serait complètement fou. On te dit, tu vas passer 40, 50 ans en prison, quoi. Redouane, il est jeune encore. Mais dans 10, 20, 30, 40, 50, 50 ans, s'il est vivant, comment il va sortir? 50 ans, 40 ans, c'est pas grave, 35 ans. Il en a déjà pris tellement, quoi. Il a puni, repuni, déjà. Il a été puni, repuni, déjà. Et confusion des peines, non. Donc des lois, et des lois, des décrets, des ordonnances pour se protéger depuis... Sarko, ça existe, tout ça, quoi. Qui préparait... Sarko, lui, ses copains, ils préparaient leur défense, dressant pour les droits communs des sanctions lourdes. Ouais, on rajoute des petites lois, des petits trucs. Mais eux, les garde-fous, on a quand même vu que pendant longtemps, Macron ne voulait pas voir les Sarkoziens, des gens de la firme, proches de lui, quoi. Il avait giclé Djoury, il avait giclé d'autres personnes. Non, j'ai rien à vous dire, tout ça. Et puis d'un seul coup, hop, tous les vendredis, ils se mettent à manger ensemble et Sarko commence à bouffer le cerveau de Macron. Résultat des courses, peu de temps après, un grand ami de Sarkozy est placé à l'intérieur, Darmanin. Après, un autre grand ami de Sarkozy est placé à la justice du pont Moretti. Eux, ils ont accès à tout, quoi. C'est sûr qu'avec ces gens-là, Sarkozy n'ira jamais au placard. Ouais. Ils ont refait la loi avec des garde-fous qui les empêchent d'avoir quoi que ce soit. Par contre, en refaisant la loi, ils l'ont refaite aussi pour les droits communs qui, eux, en prennent plein la gueule. La cour d'assises protège les politiques. Merci à Dupond-Moretti. Il a fait le taf. Pour lui, une seule personne est à protéger. C'est le petit Sarkozy, quoi. Il en a tellement fait qu'il ne sait plus trop. Donc il essaye de placer ses hommes plus haut possible, plus loin, pour que justement il l'avertisse s'il y a un souci, ou ils font en sorte que... Il ne peut rien leur arriver, quoi. Ils n'iront pas en prison, quoi. Moi, j'y ai cru. Salut Carlito 77. Salut David Rebaxou. Carlito, David, Pascal Rock'n'Roll. Comment vas-tu, mon frérot? Ça va bien, tranquillou, la famille. Mounts, Hakim. Salut les frérots. Hein. Mons Renard, salut Renard des Surfaces, comment vas-tu mon frérot? Ouais, yes, Renard des Surfaces, très très grand professionnel du foot, si vous voulez vous abonner, chez le frère, c'est le moment, il connaît le foot. Hein. Ah ouais, il connaît bien, il est bien imprégné de tout ça, quoi. Merci à lui, merci. Jojo, il le termine car il a l'argent qu'il a volé, t'inquiète, ça marche comme ça. Ouais, bien sûr, il ne rendra pas, quoi, il a quelque chose quelque part, mais... faillite car ils n'ont pas récupéré l'oseille. Oui, ils en veulent pour ça. Et puis il y a la policière hein, qui traîne tout le temps dans ce truc qui fait que les avocats ont peur, peut-être. Est-ce que Redouane a des bons avocats en ce moment? Je pense, j'espère. Parce que même les avocats ont des coups de pression, quoi. C'est un truc de dingue. Indirectement, on leur fait comprendre que ce serait bien qu'ils aillent hier à Cassis, à Monaco, faire des avocats. Ils sont contents, c'est sûr. Un peu à la Bernard Tapie, quoi. Tapie, il avait compris tout ça. Mais il avait compris parce qu'il le voyait faire. Il le voyait faire, tout ça. Et aujourd'hui, on le voit faire, ça, encore. Ouais. Ce qui arrive à Redouane, c'est abominable, quoi. C'est incroyable. Autant d'années d'isolement comme ça. Parce que c'est humain.
ce qu'on ne veut pas lui briser la mentale. Ils n'y arriveront pas, c'est un dur. Ouais, jamais il fera quoi que ce soit. Bravo frère, bravo à Redouane, notre frère qu'on embrasse fort, 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 qui est dans une situation très, très complexe, mais malgré ça, il s'en sort. Merci, merci beaucoup, oh, merci, merci mon frère, Renard des Surfaces, merci beaucoup la famille. Ok, fais attention à toi frérot en voiture, hein. Fais attention, des fois ils te voient, ils te mettent 30 euros ou... Vas-y doucement, mon frérot. Merci beaucoup. Tiens, bon, vraiment, c'est un amoureux du foot. Putain, je l'écoute des fois comme ça. Et j'aime, quoi. J'aime. Ça me rappelle, moi, il y a quelques années en arrière. Ah, ouais, là, je serais parti, je serais monté chez Renard et on aurait parlé. Mais j'ai perdu un peu tout ça, quoi. Sinon, dommage, quoi. Dommage, vraiment, j'aurais aimé t'entendre et parler avec vous, quoi, les amis. Ok, mon frère. Jeannot nous dit, salut mon Jeannot, Sarko, c'est à Cayenne, avec Papillon, qu'il faut l'envoyer, avec ce qu'il a fait, ce chacun. Il a détruit un pays, il a détruit un continent, l'Afrique, Sarkozy, quoi. Ouais, il a essayé d'imposer les siens, quoi. Et finalement, ils se sont fait avoir, parce que les Russes, les Chinois, les Turcs, et les Qataris, ils ont tous sauté sur le truc. Ils ont dit, vas-y, on va leur apporter la démocratie à l'occidental. Dans des pays où ils ont eu des habitudes déjà pour vivre. Tu n'as pas emmerdé les gens. Moi, tu viens me voir, tu me dis maintenant c'est ça et ça, c'est comme ça. Je vais te dire non, moi je vis comme ça et comme ça. C'est souvent paix. Laisse-moi être tranquille, quoi, s'il te plaît. Et non, démocratie de quoi ? Démocratie, elle a foutu la merde en Afrique. Il y a des milliers de morts, quoi, des dizaines de milliers de morts signés Sarkozy, bordel. Ce trou du cul, là, il va l'envoyer Poutine. TPMI, là, je sais pas quoi, et Bush, et Sarkozy, et l'anglais, là, ce connard, là, l'anglais, là, putain, je me souviens plus de son nom, ils font quoi, ceux-là? Ils ont tué des milliers de personnes, quoi, tous les gens qui meurent au niveau de la Méditerranée, c'est à cause d'eux, quoi, et eux, là, ils sont là, et on le laisse parler, quoi, ça le fait. C'est terrible, quoi. Les pompiers pyromanes, pire que ça, même. Ils font semblant de parler, de dire on va faire ça, ça, ça. C'est les copains à eux qui embauchent tout ce qui est de moins cher. Vous inquiétez pas, on va vous en envoyer des bons et des pas chers. Allez, claque. Ok, ils font le travail des autres. En plus, ils s'écraseront. Ouais, ils chercheront pas à toucher. Voilà comment ça se passe au Moyen-Âge. Ouais, avec les Sarkozy, les grands patrons, les faf d'extrême droite, quoi. Ouais. Ils se font des couilles en Afrique, on les entend pas, ils sont discrets. Hein. C'est sous merde, putain. Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? La Cour d'assises protège les politiques, protège le patronat. Merci Dupont-Moretti, hein, qui a fait le taf, qui continue à faire son taf. Ils se font pas chier, quoi. Darmanin, qui était des hommes de Sarkozy, qui se sont retrouvés chez Macron, quoi. Et Benalla. Comment Benalla, les liens avec les Russes, comme la plupart de ces gens-là, quoi. France-Afrique, c'est le joujou de l'armée. Elle a les pleins pouvoirs, elle fout la merde entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et nous, on est là, on regarde. Waouh, si ces trois-là pouvaient se foutre sur la gueule, ça serait super. On leur vendrait encore plus d'armes. Et il y aurait peut-être moyen d'avoir un type avec qui on puisse parler. Comme Poutine. Voilà, Poutine, tiens, on te donne ça. On garde ça. Poutine, il achète tout le monde. Voilà, Redouane, mon frère. Voilà. On te souhaite vraiment, 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 vraiment de sortir vite fait de là où tu es, cet enfer.
et qu'on commence à en apprendre un peu plus, voire... Alors, Redouane a fait un livre. Le livre... Alors, en avant-première, nous avons... regardez bien, vous la trouverez nulle part, quoi. On est les premiers à avoir... attendez, je vais essayer... On est les premiers à avoir la couverture du livre, quoi. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième de page. Ouais. J'essaie de la retrouver. Qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà, ok. Alors, attendez, quoi. Regardez bien. Regardez bien. À Caballero, appareil non connecté, mon frère. Ouais, regardez bien la couve du prochain livre de Redouane. Elle est nulle part, quoi. Il vous passe le livre sans la couverture, quoi. Voilà la nouvelle affiche de Redouane. Attendez, j'enlève notre ami. Voilà, Redouane Faïd, Spirale. Redouane Faïd, Spirale. Je vais le mettre un petit peu plus petit, peut-être. Voilà, comme ça on pourra l'avoir entière. Voilà, c'est le prochain livre qui sort en octobre. Et vous avez, merci Laïla, merci beaucoup à Laïla et à Redouane qui ont choisi Fréquence Radio pour mettre la nouvelle couverture du livre de Redouane qui sortira en octobre. Et je compte sur vous les amis pour sauter dessus et l'acheter, quoi. Ah ouais, très 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 beau livre. Coucou Nadou, comment vas-tu ma sœurette? Ça va bien tranquillou? Ouais, et la sœurette, oui, tout partagé. Voilà, regardez le futur livre de Redouane. En avant-première, on est les premiers, voilà, la famille Faïd nous a fait confiance parce que Redouane et sa famille, c'est la famille. Voilà. Ah ouais, achetez-le les amis, il est explosif. Là, vous allez avoir du vrai 100% Redouane Faïd qui répond aussi à tous ceux qui l'ont fracassé, hein, journalistes, ceci, cela, qui lui ont tataf. Il a des réponses à tout. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même réalité qu'on nous a servi, la soupe qu'on nous a servi. Non, Red, il répond à tout là. Il dit, regardez, il m'avait accusé de ça, mais voilà quoi. Crac ! Alors, il a le problème là. Ouais. Putain, j'ai perdu mon clic. Je perds toujours un truc, moi. D'ailleurs, je vais perdre mon cul. Bon, enfin, c'est me parler, quoi. Pardon, excusez-moi, non, mais c'est pas possible. Putain, quelqu'un est venu chez moi et m'a garvaté. Je suis victime d'une garvate. C'est quoi cette guerre? Bon, vie est belle ou quoi? J'ai plus de. Je reviens les amis, j'en ai pour 2 secondes. Mohamed 13, comment vas-tu? Ça va bien tranquille la famille. Pop, comment vas-tu? Ça va bien tranquille la famille. Re à tout le monde. Mohamed, Baksou, Nadou, Pop, Nadou Massouette, gros bisous Nadou. C'est une fille vraiment excellente, quoi. Excellente. Beaucoup devraient prendre, faire comme toi, quoi. Essayer de.
la méchanceté, la connerie, là, les petites blagues à 20 centimes. C'est pour les gamins, quoi. Voilà. Ceux qui comprennent pas, ben, basta, quoi. Ouais. Attendez, j'arrive à la famille. Je vous mets quoi, un petit peu de musique. Ah, attention. Il est là, Seigneur Caballero. 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 Voilà, c'est bon. Là, ça monte. Il est là, Caballero. Là, je sais pas ce qu'il a fait, mon téléphone. Il a bugué, frère. Oula. Oula, ça arrive, mon frère. Ouais. C'est pas évident. Parce que j'ai, tu sais, j'avais installé une application, là, tu sais, pour la télévision, enfin, tu sais, pour les Netflix, tout ça. Tu sais quoi, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai remarqué depuis que je l'ai mis. Ouais. Voilà, frère, mon téléphone, il faisait des trucs bizarres. Ah. Moi, comme là, depuis tout à l'heure, j'essaie de rentrer, tu vois, avant d'arriver dans les coulisses, il y a une étape, tu sais, où tu dois, si tu veux garder ta caméra et ainsi de suite, tu vois. Oui. Eh ben voilà que ça voulait pas me laisser passer. En fait, ça me laissait pas de, tu vois. Oh merde. Donc, j'ai refait mon téléphone et je l'ai rallumé. Quand j'ai enlevé l'application, tout ça. Mais voilà. Ah ben, alhamdoulilah. Eh ben, je te laisse avec la famille. Je vais aller chercher un truc là que je recherche, un truc important que je devais voir. Et j'arrive, mon frère. Vas-y, pas de problème. Merci, la famille. À tout de suite. Eh ben, comment ils vont, les amigos? Attends, je vais voir qui c'est qu'il y a dans le chat. On va faire un petit tour. Ah oui, Baksou, David, Nadou, tout l'équipage en vrai. Wamouns, bien ou quoi? Amiable, Salem, Pop. Bon, tout l'équipage, hein, qu'est-ce que ça raconte de beau, les fratellino? Hein? Vous aussi, vous vous faites manger par les moustiques? Ah là, dans le sud, laisse tomber, il y a de la chaleur et que et les moustiques, tu vois. Ah ouais, je sais pas pour vous, mais ici, ils sont méchants. C'est plus des tigres, c'est devenu des tigers. Ah ouais, frère. Ah ouais. Mais ouais, juste avant que je quitte, ouais, c'est vrai qu'il était sur le fratello Redouane. Eh ouais, t'inquiète, je vais te le faire. Il va arriver sur la route, le Joe. T'es un tueur, mon Baksou. Ah, Jeannot, mon préféré. Ah là, Jeannot, c'est un tueur. Ah, tu connais? Oh là, c'est moi. C'est mon préféré, Jeannot. Attention, je vous aime tous, mais vous savez. Vous savez, comme une mère, elle a toujours un préféré, mais elle ne le dira pas, moi c'est Jeannot. Je vous le dis, mais il ne faut pas le répéter, les gars, hein, c'est entre nous. Hein. Bon, comment ça se passe, l'équipage? Ouais, ça faisait longtemps, hein. Ah, merci Mohamed. Un petit garçon, un petit, je l'appelais Moussa. Voilà. Ouais, les punaises de l'hiver, franchement, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire, là, mais là, ça va plus, hein. Voilà. J'ai vu, ouais, faut parler de ça en ce moment. Ah, il se passe des choses bizarres, hein. Et ouais, non, Jean, c'est, Jeannot, t'es le champion, caballero. C'est pas des merguez qu'on va t'envoyer, c'est des entrecôtes. Ah, ou des côtelettes d'agneau. T'es un monstre. Et oui, les frères. Hein. Ouais, c'est un très très beau prénom. Merci la famille, voilà, merci. Inch'Allah, que Dieu vous donne 7 fois plus que moi, frère. Inch'Allah. Ah, ben, tu sais, les enfants, tu sais, pour tous ceux qui peuvent en avoir, c'est la richesse, tu vois. C'est la richesse. Eh oui. Tu vois, à chaque fois que Dieu me donne un enfant, ben, tu vois, je retrouve ma part d'innocence de quand j'étais petit, tu vois ce que je veux te dire. Moi, j'aime bien rigoler avec les petits, tu vois. Ah, c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde y va bien. Hein, la pêche.
Et oui, pour en revenir au dossier de Redouane, bah, c'est ça qui est tragique, c'est que tu vois, c'est qu'il fallait un coupable. Et après, le mec, franchement, mettez-vous à sa place. Tu imagines comme ça, oh, tu prends des calendriers, frère, tu sors, frère, la plupart des gens avec qui tu as grandi, ils sont déjà morts d'un cancer ou la chahaja, tu vois, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Et tu vois, quand tu vois des Pierre Palmade, là, qui, tu vois, après, attention, hein, c'est deux choses différentes, mais deux poids, deux mesures. Moi, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, quand tu prends le keuf qui, tu sais, l'histoire de Naël, le mec, il a eu une cagnotte, frère, il a pété comme s'il avait pris un braquage et lui, on lui bloque pas. Tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est que plus le temps il passe, tu as un moment où là, ça va péter les plombs pour de vrai. Tu sais, c'est parce que voilà, tu sais, le moindre truc qu'il y a pour faire oublier la crise, qu'on se fait tamponner et ils nous disent, Blani, la guerre en Ukraine, alors que frère, qu'est-ce qu'on a à voir avec l'Ukraine? Non, mais sérieux, on n'est pas la Pologne, enfin, dans le sens, quand je dis ça, tu as vu, c'est pour dire qu'on n'est pas un pays frontalier à l'Ukraine. Notre business, il n'est pas avec l'Ukraine, donc je vois pas en quoi ça va nous, tu vois, ça doit nous priver dans un truc, tu vois. Ils sont en train de s'en mettre plein les fouilles et on te parle de l'Arabia, frère. On te parle de ci, on te parle. Non, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Mais après, on en est là parce que voilà, t'as vu, on tolère ça aussi, tu vois. Si on serait solide et solidaire, bon, solide, on l'est déjà, mais solidaire, on est moins. On ne l'est plus, même, pour dire la vérité. Tu vois? Et ouais, non, moi, je joue beaucoup avec mes enfants. Voilà. Merci, David. Qui c'est? Qui c'est, qui c'est? Hein, on ne sait pas. Hein. Oh, Carlito! C'est Michael. Robert Havdek, mon frère. Voilà, merci, merci. Merci, la brigade, l'équipage. Parce que je dirais, ah ouais, Moods. L'équipage, vous êtes des bons. C'est vrai que franchement, il n'y a que de la qualité à fréquence, tu as vu? Après, le problème, c'est que c'est, tu sais, c'est sur Internet, tout ça, tu vois, sinon on aurait pu faire des choses encore mieux que ça. Tu vois, mais bon. Pareil, je laisserai passer un peu de temps et je ferai une petite pièce comme ça aménagée pour quand je monte. T'as vu, je vous mets la cam-cam, mais par contre, je vous le dis de suite, hein, je suis un Daft Punk, hein, la tête, jamais vous la verrez, à part si vous me voyez en vrai. Mais on se tapera des méchants délires. Pour donner de la force à Jojo un peu, tu as vu? Et ouais, c'est une chaîne du grand banditisme, bien sûr. Mais à côté, on peut, tu vois, il y a un temps pour tout, on peut rigoler un peu. Ça va avec le bandit, tu sais? Le bandit dans ce grand chemin, c'est un mec qui aime bien rigoler, frère. Et ouais, parce que la plupart du temps, tu connais, hein. C'est triste, sinon. Mais ouais, mes fratellos, deux poids, deux mesures. Ah, mon Redouane. Ah, que la force soit avec toi, mon ref. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Et les mecs, là, comme l'autre, comme il s'appelle, Moulin Mito, là, tu sais? C'est des mecs comme ça qui devraient prendre des peines de bâtard. Ils viennent, ils passent à la télé, ils te racontent des... Oh, putain de merde. Là, en tout cas, après, bon, il faut savoir, hein, que des Redouane Faïd, il y en a plein en France, tu vois. Enfin, quand je dis, je parle pas, je parle dans le cas de l'injustice qui subit là, au moment où on parle, dans ce sens-là, tu vois, parce qu'après, son parcours, chacun a son parcours, tu vois. Mais en tout cas, c'est bien de, tu vois, les gens, tant qu'on parle d'eux, on les oublie pas, tu vois. Il faut toujours parler d'eux, tu vois. Non, mais ça, tu sais, je vais te dire une chose. Tu vois, Fratello, Baksou, tu vois, si tu veux, demain, regarde, faire venir des gens, c'est pas un problème. Après, bon, tu connais. Mais tu vois, la qualité, c'est mieux que la quantité. Après, hey, frère, je te dis, c'est pas un problème parce que le frère Jojo l'a été boycotté plein de fois. Ils lui ont fait sauter les chaînes. Ils lui ont, tu vois ce que je veux te dire, ça a fait beaucoup de, ça a fait beaucoup de dégâts au truc, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, après, je vais même te dire une chose.
Tu vois, Baxou, c'est même pas une histoire qu'il a arrosé les bonnes personnes, moi je trouve. Il doit surtout faire croire qu'il a pris bien plus qu'il a pris, tu vois ce que je veux dire? Parce que frère, au poteau, tu es une machine à faire 10 millions, tu veux même perdre ton temps à la télé. Arrête tes conneries, va, à d'autres. Parce que si tu fais 10 millions comme ça, au poteau, tu fais toi-même ta propre télé, frère, je ne vais pas te mentir. Créer du contenu ou faire du buzz, entre guillemets. Il y a des façons de faire du buzz. Tu vois, comme je te dis, Baxou, tu vois, demain, là, je me lance, je prends le mic, mec, et j'arrose. Tu as vu, je veux péter le score. Tu prends des titres accrocheurs, deux, trois petites rimes sur, comme il s'appelle, Hitler, Auschwitz, Darmanin, tu vois ce que je veux te dire, hein? Deux, trois trucs comme ça. C'est bon, t'es sur BFM, hein? On t'a pas besoin de faire chanter le Kalachnikov. Là, t'as fait le buzz. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, à l'américaine, il faut qu'on parle de toi. Tu vois, mais ça, c'est une chose. La star et la recette ne riment pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est... Voilà, tu vois. Mes fratellos. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Après faire du buzz, hein, c'est pas un problème, ça. C'est le truc, c'est de garder un truc intelligenté, tu vois, faire un truc où les sujets, à la fin, on va être plein, ouais, mais plein de quoi? Plein de cassos. Non, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est bien quand tu as des gens qui ont de la discussion, des gens avec des parcours différents, tu vois, des gens de milieux sociaux différents, c'est du truc. Après, quand tu vois, si t'es un nid à frelons, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, tu as vu, une pipe contre un appart, on le disait, c'est tellement un radin, tu as vu, cache-cache, hein? Oh, c'est tellement un radin qu'il veut pas lâcher le billet marrant pour la petite choupa. Oh, vivre et laisser vivre. Tu vois ce que je veux te dire? Des gens comme ça, là, tu sais, ils sont là, ils braillent. Tu prends le petit jeune, là, tu vois comme il s'appelle, fraise, je sais pas quoi, là. Mais le mec, frère, tu as vu le mec qui a des lunettes, qui fait du rap, un petit jeune là, tu vois. Mais poto, wallah, demain même il se met des piqûres, il prend comme Booba, tu as vu, c'est wallah, il me fait penser à Booba, frère. Sauf que Booba, il manie la plume un peu plus que lui, tu vois, mieux que lui, tu vois. Mais je vais t'expliquer un truc. Oh, ce mec, cousin, tu es personne. C'est ça aussi le problème avec de nos jours. Tu vois, demain, tu vas faire un clip où tu vas chanter, là, tu vas faire le narcos mexicain, on te file des primes parce que tu aimes les gens qui dépriment. Eh, c'est bon. Tu en connais la chanson. Par contre, dans la vraie vie, regarde, tu prends un mec comme Redouane Faïd, tu as vu? Après, je te dis pas que c'est un innocent, poto. On a tous fait des. Eh, celui qui a jamais péché, jette la première pierre. Tu vois ce que je veux te dire? Mais là, on t'accuse d'un truc que t'as pas commis. Et en plus, tu vois, en plus, on t'en veut de pas. Enfin, on t'en veut que tu cherches ta liberté, c'est normal, frère, tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est encore on serait au Bangladesh, au Pakistan, dans des pays soi-disant. Attends, moi je te dis les propos des écureuils, hein? Hein? Mais frère, quand tu les écoutes, la différence entre ici et là-bas, c'est le jugement équitable. Penses-tu qu'il a eu droit à un jugement équitable? Tu vois? Voilà, ça c'est une histoire. Ça c'est une autre histoire, tu vois? Et bien sûr, Macron, tu connais, mais tu sais, c'est pour te dire, je disais ça en parlant du buzz, tu sais, demain, tu veux du buzz, hé, hey, poteau, tu as eu le cocktail, on le connaît, le cocktail explosif, qu'est-ce qu'il faut mettre? Un peu de ci, un peu de ça, et c'est bon, hein? Demain, tu finis bien. Après, tu sais, il faut savoir gérer sa carrière, parce que finalement, ça va finir quand même comme le petit MHD, t'as vu? En tout cas, voilà, tu vois, c'est ça le game. Quand la réalité dépasse la fiction, tu sais, tu vois ce que je te dis? Il te reste que les yeux pour pleurer. Tu vois? En tout cas, c'était un bonhomme pour assumer, parce qu'après, t'en as, frère, en plus de pleurer, il parle, tu vois, et ça, c'est pas OK, parce que normalement, je sais pas, c'est comme si moi, demain, je me lance dans une affaire. Et je connais les tenants, les aboutissants, je sais ce que je fais. Je sais qu'il y a un facteur risque.
Tu vois? Comme il y a le facteur exotique, tu as vu la barre, les princesses qui font les bois autour des bars et ainsi de suite. Tu comprends? Voilà, frère. Il n'y a pas deux chemins. Enfin, il n'y en a pas 36. Ça passe ou ça casse. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, l'essentiel, c'est de quoi? C'est de faire les choses et de faire les choses bien. Et après, si comme dans GTA, tu t'es fait choper, ben mon pote, il faut assumer, c'est-à-dire il faut savoir où tu mets les pieds. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Parce que je veux te dire, c'est après, il faut assumer ses actes. Après, une fois que tu connais ça, ben voilà, tu vois, tu fais ton truc. Mais il ne faut pas pleurer derrière. Jamais, jamais, voilà, il faut assumer, toujours assumer. Si c'est ta faute, c'est ta faute, mec. Protège tes amis, protège tes arrières. Et c'est Ben toi oui, qui prends, quoi. Ah, oh, ouais, je dis ça obligé. par rapport aux balances, t'as vu? Balancer, ça sert à rien. Tu vas te retrouver Alors. sous canal, mais à la fin, tu vas te retrouver dans la fosse. Donc, Mais non, aujourd'hui, t'as mais vu. ce que tu fais, frère, tu vois? Ouais. Non, mais ils n'assument pas ces merdes. Mais le pire, c'est que maintenant, ils leur font comme aux États-Unis, Roya, et comme en Italie. C'est-à-dire, il y a des. Ça a été voté, là, il y a quelques années, puis ça a été amélioré, affiné, etc., etc. Maintenant, quelqu'un qui va balancer. Alors, attention, il ne faut pas aller balancer les gars de son quartier, un quartier de 300 habitants, dans une ville de 4000 habitants, quoi. Je veux dire. Tu t'as vu, frère, là, ils vont se foutre de leur gueule, ils vont nous mettre le pied au cul. Non, si vous allez dans des endroits style qui. Où il y a où il y a du trafic, quoi. Ça peut être une Ah petite oui. ville aussi. Là, ils sont intéressés parce qu'ils veulent casser le truc. Et si ils ont plus de monde avec eux pour leur expliquer comment ça marche, qui fait quoi, qui est qui, etc., etc. Tu montes de plus en plus haut et tu arrives des fois à des noms, tu t'y attendais pas, mais paf, ils tombent devant ta gueule, quoi. Puis ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, mais ça a toujours été comme ça. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu prends, surtout de nos jours, je te dis la vérité, que ça en est devenu un sport national. Et là, je vais te parler honnêtement. Je ne sais pas après, Comment mais en 40, tout mon cas, frère? moi, dans mon entourage, Jojo, Comment 40, mon frère? tous les vrais bonhommes, ils ont un cimetière, ils sont au placard. Attention, quand je te parle de bonhommes, je te parle dans ce milieu-là. Là, je ne te parle pas, c'est dans la vie, d'une personne lambda, tu vois, dans ce Oui, milieu-là. Toi, ils sont en galère de deuil, parce que tu vois, c'est des types on va pas prendre qui ont des valeurs et des principes, tu vois, dans le sens où. Bien sûr, on va pas prendre des bagarreurs de boîtes de nuit, quoi. C'est de la merde. Exactement. Tu en souviens de ça, on t'en Exactement. avait parlé avec quelqu'un d'autre, mais c'est arrivé à mes oreilles. Et non, non, non. Moi, par exemple, je vais pas raconter deux, trois bagarres de boîte de nuit, je me prends pas pour Al Pacino ou je sais pas quoi. Même si soldat, il me dit, vas-y, mec, c'est bien. Mais non, je dis non, vous êtes ma gueule, Ah là. bon. Mais il parle soldat. Et oui, non, 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 non. Moi, voilà, y a des trucs. Redouane, ils l'ont fait trop belle, ils lui ont trop mis sur le dos. Il y en a un, il est mort, il le savait. Ils l'ont su. Directement, parce que le gars qui était à côté de Redouane, il dit, moi, j'ai tiré, je l'ai touché, le mec. Je l'ai touché. Le mec, il se lève, il est à moitié tataf, ils le prennent. On sait que le type, il est en train de crever. Et c'est lui qui a tiré sur la gendarmette. C'est simple et net. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le tir sur Redouane ou XYZ. Pourquoi pourquoi tout ça passe à l'as, quoi, et qu'on Mais continue à Jojo, insister tataf? on va parler honnêtement. Le seul truc qui relie Redouane, après je suis pas dans l'enquête, tu vois, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, le seul truc qui a un lien avec Redouane dans cette affaire, c'est un plein d'essence dans un véhicule dans une station d'essence. Donc, je suis désolé, je suis désolé. Si c'est un jugement équitable et impartial, c'est-à-dire, là, la preuve, en soi, c'est pas une preuve, parce que le mec, il dit, ça peut être vrai, comme ça peut être pas vrai, mais ici, t'es pas en Angleterre, t'es innocent qu'à preuve du contraire. Donc, si t'arrives pas à prouver le contraire, c'est-à-dire preuve accablante, le mec, il faut qu'il ait de la poudre à canon sur lui, il faut que t'aies une preuve qui soit sur les lieux. Mais oui, Pas une preuve qu'il ait eu ce véhicule dans les mains
il y a un mois ou un mois avant ou un mois après, ou même 24 heures avant, ou même 24 heures après. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que ça ne veut rien dire en soi. Ouais, ouais. Mais ça, mon frérot, tout ça en plus, ça a été très bien documenté. Comme quoi, le gars, il était venu le voir une fois ou deux à son taf, hein, ce gars, à la Tracula. Mais Redouane, il avait à peine, tu sais, il n'était pas content qu'il soit là. À peine, il lui avait répondu, ouais, salut, ta taf. Le type faisait peut-être partie des gars qui venaient motiver Redouane à faire partie de leur plan. Mais il n'y a aucune preuve qu'il en a fait partie. Eh ouais, ah ben oui, tout simplement. Il n'y a peut-être rien à faire de tout ça, mais il a rendu des services, c'est possible. Et ils lui ont cassé les bonbons avec ça, c'est encore plus que possible, sans qu'il y ait de véritables preuves. Mais pour eux, ça leur suffit. Mais c'est là où tu vois que franchement, c'est des mange-merde, parce que quand tu as des gens qui, tu sais, qui font des choses accablantes, et que tu vois, là, je vais te citer, tu vois, parce que tu prends Redouane Faïd, il a écrit des livres, il est passé à la télé, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, c'est une personne de, tu sais, qui, voilà, bon, pas de l'autorité publique, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est un mec qu'on a déjà vu à la télé. Tu prends un mec comme Palmade, par exemple, qui, mec, il se fait filmer en boîte de nuit, machin, frère, il se fait filmer pété dans la rue, cousin. Il respecte même pas son truc. Non. Et toi, après, attention, je te compare pas, tu sais, c'est deux histoires totalement différentes. Mais là, moi, ce que je te parle, c'est l'approche de la justice. C'est-à-dire, une personne lambda à la peur de Pierre, en poteau, ou là, la veine que la lumière n'aurait pas encore vu, je te le garantis, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et là, aux yeux et aux yeux de tout le monde, le mec, il est là. Darmanin, on n'entend pas parler, là. Non, on ne peut pas dire que c'est inadmissible, attends, comment le mec là, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ou je sais pas, les gardes des sceaux, peu importe. Après, mais ça, on n'en parle pas, ça, tu vois. Ça, Ils sont en vacances là, ils sont depuis voilà, le. Voilà, tu vois. On va te parler de l'avocat, on va te dire, mais non, mais. Et la Abaya, et la Abaya, où est la rapport? La Abaya, ouais. Bientôt les. Bientôt les... Ah oui, où est le rapport? Ça veut dire quoi? Une femme, elle a une robe longue? Là, ça va trop loin, frère. C'est-à-dire, pour noyer le poisson, là, c'est mort. À un moment, frère, j'espère que les gens vont se réveiller. Ben j'espère oui, que les gens vont se dire, oh, je sinon, tu vas rigoler, ça va être autour des sabbats, là. Tu sais, Ah, les babouches, bien sûr. Les babouches, les babouches. Ça va être, frère. Ça y est, les babouches. Ça y est, pour toi, maintenant, ça va être chaud, tout ça. Je n'étais même pas au courant de ça, mais c'est quoi cette... C'est quoi cette folie? Mais c'est de la folie, ça! Mais bientôt, on va aller en pleine concentration! Il va péter les 2 euros, frère! Alors qu'on te parle de l'Ukraine, mais qu'est-ce que nous on a à voir avec l'Ukraine, frère? Qu'est-ce qu'on a à voir, sérieux? Exactement, exactement. On ne peut pas du bide avec eux, c'est pas, enfin, je vois pas où est le rapport entre nous et l'Ukraine, tu vois. Et les chips, ils te disent oui, on envoie 1 milliard. Ouais. C'est surtout que tu fais des trous dans la caisse et que tu justifies ça là-bas, non, mes frères, à d'autres. Et les gens, ils te disent qu'il faut serrer la ceinture. Mais la ceinture de quoi, frère? La ceinture de quoi, frère? Là, le peuple français, la ceinture kamikaze. La ceinture kamikaze, on va serrer. Quoi. Exactement. Un jour, malheureusement, ça va finir comme ça. T'en as beaucoup, ils vont les faire sauter parce qu'ils en ont marre, parce que ça ne va pas. C'était lié avant la guerre de Crimée en 14 ou après en 22. Il y a eu ce Covid, il y a eu tout cet enchaînement de merde qui fait que Poutine il s'en est bien servi, il était vicieux, mais on est même pas capable d'envoyer du matériel qui réduirait l'armée russe en cendres. On leur envoie le minimum aux Ukrainiens, quoi. On a envie qu'ils fassent le taf. Ouais, faites le taf. Paf, les hommes, ils sont là. Le matériel, il est où? Attendez, on va voir avec... on va passer par le ministère, le Sénat, la chambre de représentation, les députés. Quoi? Dans 9 mois, donnez-leur le matériel. Vous emmerdez pas à dire qu'ils savent pas le conduire. Les ingénieurs, c'est des gros cerveaux. Vous leur filez des trucs, des M16, des chars Bradley, des chars Patton, des chars Sherman. Ils vont mettre de l'argent dans les poches, les étrangers, tu le sais, ça. Que ce soit les Américains ou ainsi de suite, c'est parce qu'ils prennent des contrats. Les gens, ils pensent qu'ils leur font des donations, mais couilles.
Tout ça, c'est noté dans le papier, frère. À la fin, vous allez payer, les garçons. Ah oui, oui, oui. Le gouvernement américain, il on va dire, il fait des contrats avec Northrop, avec tous ces gens-là, quoi. Northrop, Boeing. Voilà, après, c'est les petits pays européens qui vont payer, tu vois, les vassaux. Oui, oui. Eux, ils vont payer, les Américains, dans les contrats qu'ils font. T'as vu, ouais. Après, les autres, ils vont donner deux, trois trucs, tu vois, les vassaux, là. Et puis voilà, ouais, alors que normalement, frère, moi personnellement, je suis le président de la France, cousin. Si tu veux, je t'envoie des compresses, je t'envoie du Nutella, le reste, dis-moi, frère. Non, parce que Poutine a fait du mal. Il a essayé de mettre la merde en France et dans d'autres pays avec ses lobbies qu'il était en train de monter. Il était en train de vouloir bouffer comme les Américains le faisaient. Comme ils ont essayé de faire ça avec l'Ukraine et que ça n'a pas marché, ils ont dit ouais, c'est à cause de l'OTAN. Quand le 22 février, ils attaquent l'Ukraine, ils arrivent à Kiev, ils pensent que les habitants de Kiev vont se révolter. Vite, rentrez les chars russes. Oui, oui, on arrive. C'était, oh, les chars russes, venez, venez, on vous attend. Ouais, super, on arrive, c'est bon, tirez. Allez, bande d'enculés, on vous a baisé, bande de bâtards. Non, moi, c'était dans le sens où, tu vois, j'irai pas me mêler d'un conflit qui me regarde pas. Ben, tu vois, dans ce sens-là, tu vois. Oui, mais après, je la vérité. Grâce à Poutine, il nous regarde, ce truc. Ils ont placé des milliers de milliards de dollars pour essayer de s'approcher des pays d'Europe de l'Ouest, de les racheter avec Schröder, avec Gerhardt, avec Fillon, avec plein d'autres. Ils ont essayé de s'emparer vraiment de la France en finançant l'extrême droite, c'est-à-dire que ils ont pourri plusieurs pays d'Europe et il était temps, bam, qu'on les chasse, qu'on les vire, qu'on leur bloque leur compte. Vous avez joué au con avec nous, parce que cette guerre se passe en deux parties, en Ukraine et en Europe occidentale, où les lobbies russes font tout ce qu'il faut. Et quand tu vois Sarkozy, le Vatican, mais ces gens-là, ils sont financés par les Russes. Ah, mais, et un milliard. Et un milliard. Les banques russes, elles prêtent, ne vous inquiétez pas, on prête, allez-y. Parce que vous avez à faire nos sous-sailles. Est prête. Le pire, c'est que tu vois, c'est ce que Poutine, il essaye de faire en faisant ça, c'est une utopie, tu vois. C'est pas parce que tu vas investir des milliards que les gens. Tu sais, c'est culturel, il faut comprendre que le peuple de l'Est, il n'a pas la même histoire et la même culture que le peuple de l'Ouest. Non. C'est-à-dire, dans les arrangements, c'est pas forcément comme ça que ça devrait se passer, tu vois ce que je veux dire. Après, tu parles, tu connais, frère. Moi, le premier, demain, je suis là, attends, Poutine, il vient, il m'envoie des lovés. Oui, t'inquiète. Ah, moi aussi, il faut qu'il m'envoie des lovés. Non, moi, je te dis la vérité. Oh, je me sers à coup de... C'est pas, je vais pas avec la pelle. Oh, j'y vais avec deux pelles. Je commence à lui inventer des chiffres qui n'existent pas. Et après, il me paye, et voilà, après, bon, salut, hein. Il faut du gros renseignement là, mon frère. Ouais, si t'es... Ah non, là, il faut avoir pignon sur rue, parce que pour qu'ils viennent toquer à ta porte, il faut qu'ils sentent un minimum de potentiel. Tu vois, c'est des mecs, regarde, les lobbies russes, ils sont prêts à donner des lovés à Le Pen, à Dieudonné, un mec qui serait dans la musique. Trois personnes, tu vois, Zermak, un politicien, un comédien, même un sportif. Tant que le mec, il fait de la bonne pub, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que c'est ça le truc? Bien sûr, mon frérot. Mais comme en Afrique, là, ils sont en train de filer du gros pognon à des peuples dans la rue pour aller casser au Niger de la. Alors, je dis pas qui mérite ou qui mérite pas, quoi. Je dis juste que tout ça, c'est pas net, qu'une semaine avant, si tu avais filé du pognon, pourquoi ils se sont révoltés, l'armée nigériane? Parce que président nigérian n'avait pas voulu filer leur solde de tout compte, ou pas de tout compte, mais une partie de leur solde des magouilles. Il file des magouilles. Il dit non, ça, je vous paye plus, quoi. Les types, ils ont pété un câble, ils ont fait un coup d'État. Et ils ont eu les Russes derrière qui, eux, diront nous, on vous paiera, mais le double. Okay, ben, okay, okay, pas, d'ailleurs, ils ne s'en parlent pas. Ah oui,
Les gros chiens qui sont, quoi. C'est terrible si l'Afrique demain s'empare d'une grande partie de l'Afrique, l'Afrique la plus pauvre en plus. Faut pas croire qu'ils vont développer ou s'arranger. Franchement, pour moi, je pense qu'en Afrique, ils vont se casser les dents. Les seuls qui peuvent faire des tickets sur le long terme en Afrique, c'est les Chinois. Chinois. Parce que le communisme chinois n'est pas le communisme des Russes, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Le Chinois, il aurait investi dans le pays. Il n'aurait pas créé une guerre civile. Parce que, tu sais, l'intérêt entre l'Occident et l'Orient, ils l'ont pas, ils s'en foutent. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire. Ils essayent de contrer, tu sais, pour faire ça, en faisant ça, ils font chier à qui ? Ça fait très bien que la France ait la chance de garder des pays européens, les Français, et ainsi de suite, tu vois. Et c'est très bien qu'en faisant ça, ils... Tu vois ce que je veux dire ? Casser les couilles. Entre nous, hein, bah, pour moi, la seule chose qu'il fait, c'est de dilapider l'argent du peuple. Hein. Parce que pour moi, avant d'aller vouloir... Va vous mettre des autoroutes en Afrique, va les mettre chez toi déjà. Va les mettre en Russie déjà. Mets des chaussettes à tes soldats. Mets des prisons dignes déjà. Le pays est tout pourri. Leur pays est tout pourri à part Moscou, Leningrad, le reste c'est de la merde. Comment un pays qui est tout pourri, il va aider d'autres pays, quoi. Non, mais ça va. Tu parles de coup de chair, t'as pas de avant le gros sourcil. Même le gros sourcil, il est tout, tu sais qu'à l'époque. Mais tu vivais pas comme un milliardaire, mais tu vivais correctement. C'était mieux, ouais. Mais nous, en fait, je te jure que ces bâtiments-là, là, tout, ça date de cette époque-là, frère. Ouais, bien sûr. Sachant que sa fortune personnelle, il a fait lui-même sur le sol de la Russie, quoi, sur le dos de son père. Exactement. Et tous les milliards. Un exemple, juste la France. Je te parle pas des autres pays, juste la France. Les milliards qu'il a. Il y a qui pouvaient faire des structures, des routes, des hôpitaux, des trucs dans son pays, frère. Au lieu de vouloir aller foutre la merde chez les autres. Malade, frère. Mets des chaussettes qui vont de chez toi déjà. Ça serait bien déjà. Voilà. À fond. Moi, je parle d'une grande Russie. Je préfère la grande Russie, ça serait pas. Et là, ils sont tous avec un bol de soupe et ils boivent plus d'un vodka pour avoir chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, les trois quarts du RSS, mon frère, c'est pire que l'Afrique. Qu'est-ce que ces types-là qui sont pas capables de mettre leur pays net, ils veulent aller s'incruster en Afrique. Juste pour piller, c'est parce que c'est des pilleurs. Ils y vont comme des pilleurs, des néocolonialistes, des néo-SS. Ils vont massacrer des gens. Ils n'ont pas les Africains. Parce que déjà, dans leur culture, ils n'ont jamais affaire aux Africains spécialement. Je te parle dans l'histoire, dans le sens, dans le sens géographie, tu vois. Oui, on est normal. Nous, on reste plus ou moins entre guillemets famille, tu vois. Mais tu vois, demain, le Russe, déjà, faut savoir, le Russe, il faut voir ce qu'il faisait aux étrangers à l'époque, quand ils allaient à Saint-Pétersbourg pour étudier, frère. Hein. Ils se faisaient pas masser, tu crois qu'ils. Ouais, ils ont fait des au Mali et tout, frère. Ils ont, tu sais, comment ils s'appellent, les Wagner, là, ils avaient fait ils avaient décimé des villages et tout. Ouais. Et eux, donner des Africains, frère, que ce soit des Maghrébins ou des Renois, à des fachos, c'est comme si un gamin, tu lui donnes des fraises tagada. Hein. L'Égypte, ils arrivent, ils se déchaînent, hein, sans compter que juste avant, ils prennent un peu des produits, là, tu sais. Et les mecs, ils arrivent, ils se déchaînent avec plaisir. Non, la guerre, elle n'est pas finie, quoi. La guerre, elle n'est pas finie pour les Russes. Ils vont se manger une déculottée. C'est bon, quoi. Mais franchement, si moi, je leur souhaite une défaite, ça serait pour qu'ils changent, tu vois, leur... Jig Poutine. Leur coup de politique. Non, Big Angel Stark, genre c'est mieux, aucune occupation, aucune. Il n'y a pas de... C'est pour tout, là, il faut du qu'on est en train de déduire, c'est le moindre mal, frère. Ouais, Big Angel. L'Afrique aux Africains, mon pote, t'as compris. Exactement. Avant toute chose. Aux Africains. Là, on parle des faits qui se passent maintenant. Réfléchis un peu. Ça serait les pires. Parce qu'on parlait de, tu vois. Ah oui. T'es pas en train de... discuter, là, on parlait la vérité, frère, c'est ce qui se passe en ce moment.
T'as vu, l'Afrique, elle se fait voler par, oui, la France à l'époque. Là, maintenant, tu as les Russes qui veulent prendre leur place. Tu vois, il y a les Chinois, ils sont là, mais les Chinois, alors, tu t'arranges avec eux, ils s'arrangent avec toi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des faits qui sont maintenant, quoi. Oui. On n'est pas dans une utopie ou dans un dessin animé. L'Afrique aux Africains, mon frère, déjà, avant toute chose. Ouais. Et moi, quand je te parle, je suis un Africain, frère. Donc, je te parle. Je suis un Africain, voilà. Même si c'est la moitié de moi, j'ai la moitié de moi qui est africain, mais qui a pas envie de voir les Russes, surtout pas, quoi. Surtout pas ces bandits, surtout pas ces... Non, surtout, voilà, c'est tu vois, pour eux, comme je disais juste avant, c'est du pain béni pour eux. Ah, en plus, ils vont pas faire pour faire le bien, hein, pour utiliser, donc, qu'est-ce que tu veux... Toi, ce que je veux te dire. Les pires de tous, les pires, purée, il faut les gicler, ces gens-là, il faut les chasser d'Afrique. Avec l'aide de l'armée française, pourquoi pas, mais une fois qu'elle a fait ça, qu'elle rentre chez elle, l'armée française. Ou qu'elle aille au Tchad, si elle veut, s'ils y tiennent à eux, ce que vous voulez. Même pas, frère. Qu'elle rentre chez elle, comme tu as dit. Pas, normalement, tu viens si on t'appelle. Si on t'appelle pas, tu viens pas. Laisse-nous tranquilles entre nous. Voilà. Après, il y a des accords politiques, bien entendu. Tu sais, tu as des pays, ils n'ont pas spécialement d'armée, où ils sont. Le président, enfin bref, l'agent qui vient de prendre le pouvoir, c'est pour asseoir son pouvoir, elle a besoin d'une aide extérieure parce qu'elle n'a pas l'aide qu'il faut à l'intérieur. Ça, c'est une autre chose. C'est ça. Mais quand tu viens en sifflant, tu te balades les mains dans les poches et tu... Non, ça non. Ça non, frère. Non. Et c'est inadmissible que ce soit comme ça, tu vois. Non. Parce que je veux dire, c'est inadmissible. Ah ouais, ça serait terrible. Des petits pouces, les amis, Anthony, Rabé, Big Angel, Stark, mes amis. Gros salam à vous, les fratés. Gros salam à vous, les fratés. Même Dominique, Il est là, le dodo. Ah ouais. Oui, le fraté, il est là, ouais. Cache, dodo, il est là, c'est vrai en plus. Salut mon dodo, comment vas-tu, dodo? La forme, tranquillou, frérot. J'espère que tu vas bien, j'espère que la juve, ça va à peu près. Hein, voilà. Ouais, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Ça peut en faire, quoi. Attendez, j'ai oublié quelqu'un. Cash, salut Cash. La question c'est qui protège Palmade? Ah ouais, qui protège Palmade, ouais. Ah ben il a des copains, Mimi Marchand, c'est, elle aime bien les matchs. Il a surtout un truc entre ses doigts. Il se sert beaucoup de, voilà, t'as vu ça, c'est ça aussi, on n'en parle pas de ce lobby. Ouais. Il existe vraiment, d'ailleurs, demande au président, mon Dieu. Ouais. Tu vois? Parce que les gens, ils aiment bien te parler à chaque fois quand tu leur dis machin, ils vont te parler des lobbies. Ah. Ils connaissent que le lobby sioniste, mais c'est un jury qui sont restés. Oh frère, un lobby, t'en as plein des lobbies. Hein. De ces conditions-là, tu peux dire à l'époque que tu vois, les Auvergnats, qu'ils avaient les bars sur Paris, un lobby. Non, mais il y a une chose qui est véridique, t'as le lobby gay, t'as plein de gens comme ça. D'ailleurs, il faut savoir que. Le rap, il est tenu par eux, mon garçon. Tu as vu à l'époque, les mecs comme NTM, tout ça. D'ailleurs, tu... Il y en a un de Marseille, là. T'as comme il s'appelle. S-C-A-H. Oh, poto. Ce mec-là, quand je le vois, tu vois, pas en vrai. Si je le vois en vrai, franchement, voilà, je lui jette de l'eau ou un verre ou quelque chose dans la tête, poto frère. Retenez-toi. Parce que quand je te vois, on dirait un Lady Boy. Oh, le mec, je vois, tu veux bien s'habiller. Et le mec, quand tu l'entends parler, c'est comme il s'appelle, c'est le rôtisseur, hein, c'est le mec qui tient les quartiers nord de Marseille, hein, c'est espèce de pédale. Et il n'a pas peur de dire ça, parce que les vrais... Mais frère, des gens qui payent 2-3 petits, enfin, ils payent 2-3 mecs leur sécurité, ils pensent que, frère. Mais les gars, demain, enfin, je sais pas comment te dire. Pas parce que tu sais, ces gens-là, ils se permettent des choses, parce qu'ils payent des gens derrière. Tu comprends ce que je veux te dire? Et ça, c'est la vérité vraie, ça, tu vois? C'est la vérité vraie. Parce que, frère, un méchant, un ténu, est-ce que tu veux? Mon frère, on a grandi dans ça, on connaît. Moi, en tout cas, déjà, je vais te dire un truc. Un voyou, on ne chante pas. On chante pour les deux.
Les deux. Est-ce que moi personnellement, je n'ai jamais vu un sicarios, là, je sais pourquoi elle veut se faire passer, s'habiller comme islamiste. Oh, le mec, déjà, pour ses cheveux, il doit rester 3 heures dans la salle de bain de musée. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu es dans le game, si tu es dans le bail, si tu es dans les rafales, tes cheveux lents, frère, la seule chose qu'ils vont te ramener, c'est une paire de chiffres. Ah, oui. Là, déjà, il y a un problème quelque part. Mais, tu comprends ce que je veux dire? C'est clair. Tu vois, tu fais des clips. Où tu montres des outils, il y en a un autre, frère, tu montres c'est vrai, tu regardes son copain la clim, dès qu'il brasse du vent, qu'il a fait des frères, après attention, il a fait des trucs à son époque, ok, et c'est pas raison de faillir non plus, le musée, tu comprends ce que je veux dire? Après, frère, c'est dans la chanson, moi, ce que je leur en veux, moi, ces mecs-là, c'est que, tu vois, ils propagent un message, enfin, il n'y a même pas de message, ce que je veux dire, c'est à part tromper la jeunesse, tu vois ce que je veux, voilà, à part tromper la jeunesse pour des maisons de disques, c'est eux qui gagnent l'argent. Pas lui, un exemple, parce qu'ils font tous les mecs, là. Et la plupart, ils sont sous contrat, frère, parce que déjà, il faut une chaîne de distribution, il te faut, tu vois, il y a plein de choses qu'il te faut que frère, eux, ils ont déjà. Après, je vais te dire. C'est clair. Et les petits ouais. Tu inventes des histoires et tu inventes machin, mais en vrai, le mec qui nous pose dans la vraie vie, frère, oh, il a déjà 14 ans. Hein. Tu comprends? Ou ouais. S'habille en faux, alors que frère, ça. Ce que je veux dire, c'est quand tu vois après les petits, tu vois les jeunes, ils croient que la vie c'est ça. Tout à l'heure, je parlais avec un petit, parlait, racontait une histoire. Il disait, moi, j'aurais sorti le calibre, je l'aurais crossé. Moi, je lui dis, petit frère, tu sais que si tu tombes sur un mec comme moi, frère, toutes les bouteilles qu'il y a là autour de c'était une histoire en boîte de nuit, tu vois. Je dis, tu sais que c'est ça là. Oh, toutes les bouteilles, elles rentrent dans ton cul. Toutes les bouteilles. Voilà, direct. Parce que frère, t'es pas un méchant, faut pas. Je dis, ça se voit que t'es un bon garçon. Tu vois, tu s'occupes de sa maman de temps en temps. Frère, je lui dis, toi, tu vas en boîte avec un calibre. Oh. Et puis, il m'a regardé, il a compris en fait. Oh, frère. Oh. Les gens, quand ils sortent des outils, c'est pour tuer des gens, frère. Et ah, les outils, la plupart du temps, ils sont posés dans un box. Les mecs, on n'est pas dans le. On n'est pas. Des cow-boys, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça se règle. Tu sais, comme ils faisaient les Anglais, là, dos à dos, on marche pas, on se tire dessus. Mais oh, t'es sérieux ou quoi? Combien il y en a, je vous disais, là, bref, dans ce quartier-là, il y a deux pélos comme ça qui ont pris des peines de placard de fou, frère. Et les mecs, ils sont en train de pleurer. Alors, il y en a un pour une gonzesse. Une gonzesse. Mais lui non plus. Il dit, frère, laisse tomber, frère, écoute. Il va s'embrouiller avec un mec, il dit à son pote, oh, viens avec moi. Il prend le calibre, il va voir le chip. Mais il s'avère que le poisson, il s'avère que le client, il était un peu plus chevronné que ce qu'il pensait. Donc, il lui met un coup de crosse. Quand il met le coup de crosse, l'abruti, il n'a pas le doigt sur la détente. Le coup, il tire. Le coup, il part. Mais écoute, ce que je te dis, c'est un truc de fou. Le coup, il part. Ça récolte dans le mur, son pote, il la prend en pleine tête. Oh putain. Et subhanallah, comme. Subhanallah. Bref, il est pas mort. Tu vois le mec qui l'a pris dans la tête, mais tu connais. Oh frère, il a pris une pleine. Hein. Il y en a un autre pareil. Il est venu, comme voilà, tu sais, un peu de pistache, cocaïne, machin, il s'est dit, ah comment il a sorti le machin, et le truc, le coup, il est parti, et. Là, je disais au mec, réveille-toi, imagine-toi. Tu comprends ce que je te dis? Le mec, il lui manquait une partie du visage, il était parfait en train de lui dire, laisse-toi. Oh frère, tu vas lui mettre une. Tu comprends ce que je vais te dire? Ça fait même, enfin, tu vois, c'est quand ça s'est passé qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Maintenant, il est sous cachet en prison, voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, faut pas jouer avec ça. Mais non, il va ressortir, il va être légume. Hein. Ils aiment ça en plus, les gars. Moi, j'en ai vu un, quoi, un voleur, un connard, un machin, ceci, un cela, quoi. Oh, il sert tellement que c'est un connard, quoi. Il est venu vers moi, il m'a taxé des clopes. Je l'ai regardé, je lui ai dit, vas-y, casse-toi, j'ai pas de clopes, quoi. Tu vois, tellement que c'était devenu une merde, il avait tapé du sub et je sais pas quoi pendant... qu'il était au HEPS ou ceci, cela, quand il est ressorti, il squattait les bureaux de tabac, il attendait que les gens ils sortent,
Ah, c'est sûr, hein, quand tu sors d'un bureau de tabac, ah, monsieur, vous n'avez pas une cigarette comme par hasard, hein, ouais, un type il faisait ça, quoi. Il y en a un qui donnait un nom, quoi. Il vient me faire ça à moi, quoi. Sauf que moi je le connais, je sais que c'est une merde. Et il lui dit non, j'en ai pas, quoi. Vas-y, dégage. Comme une merde qu'il est, quoi. Ça fout, tu vois. C'est... Ah oui. Ouais, mon frère, ouais, sans pitié, quoi. Avec les chiens, il faut être sans pitié. Avec un chien, il faut être un chien, mon frère. Voilà, là. Ah non, mais ça, je te le jure que même là, maintenant, tu sais ce que je suis en train de me dire. Oui. Oh là, frère, après, je suis comme ça et je le resterai parce que, après, quand on était avec les gens normaux, moi, je suis quelqu'un de mature. Hamim. Tu vois, moi, je suis de nature, gentil. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire des fois. Mais en vrai, pareil, mais je ne changerai pas parce que tu vois, là, récemment, là, tu vois, bon, après, c'est les aléas de la vie et c'est ma vie, donc je ne veux pas raconter les choses, tu vois. Oui. Mais j'ai été déçu. Là, en quelques mois, oh frère, oh, les déceptions, elles sont tombées comme la pluie est tombée en Bretagne, frère. Oh, j'ai comme un grand bras. Ouais, je te comprends. Tu veux être gentil avec des gens, tu sais, parce que là, regarde, pour te citer un exemple, je vois un mec qui est en paillole. Il y a un gars arrivé, il me dit machin, t'as des beaux dents, là. Je dis, ben frère, si tu veux, je peux faire un geste. Pourquoi? Mais bref, toi là, t'es là. Ouais. Parce que voilà. Non, il n'est pas là. Le lendemain, il dit, tu sais ce qu'il ose me dire? Non. Il me dit, ouais, c'est pas. Je lui dis, fils de pute, ah, t'es sérieux. Allez. Puis en plus, je lui donnais rendez-vous dans un coin, tu sais, c'est un commerce d'un ami à moi, c'est-à-dire frère. J'y étais, vers moi, le collègue, il me dit devant, il me dit en photo, c'est toi qui t'es passé à lui. Tu vois ce que je veux te dire? Ou quand c'est l'heure des bras, il n'y a plus personne, il y a des choses. Bref, laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Bon. Ouais, c'est bon, frère, je te comprends. Et alors, là. Des fois, il ne faut pas relativiser, parce que sinon, tu vas être dégoûté, entre guillemets, de la nature humaine. Mais il ne faut pas être comme ça, parce que ces énergies humaines en question, là. C'est des énergies humaines qui sont dans une certaine mouvance. C'est pas des mecs que tu vas croiser tous les jours dans la rue ou tu vois ce que je veux te dire. Oui. Des gens, voilà. C'est des mecs, par contre, maintenant, le premier, comme je l'expliquais, frère, c'est à ton âge, t'as galère, c'est le même. Et je te dis la vérité. C'est tout. Tu vois, après, des coups durs, ça arrive. Moi, demain, un coup dur, ça peut m'arriver. Mais comme j'ai toujours été quelqu'un de correct, ben, je trouverai des gens autour de moi pour m'appuyer, pour me relever si je tombe. Moi, j'ai eu de la chance, quoi, on va dire. Moi, j'ai eu de la chance, et tant mieux, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais tranquille. Voilà. Et aujourd'hui, je te dis, je peux faire le tour de France, ils peuvent venir avec ce qu'ils veulent, je suis tranquille. C'est ça. C'est ça que je disais. Je parlais à un mec, tu vois, on a le même âge. Je dis, frère, tu sais que là, on est un pied, là, bientôt... bientôt, on a 40-30 ans, frère. C'est à notre âge. Ah, je lui dis, poteau, tu sais, là, t'es en train de... Tu sais, on parlait d'un sujet, tu vois. Je lui disais, mon frère, honte à toi, à ton âge. Parce que, attention, c'est un mec qui n'a jamais travaillé dans sa vie. C'est un mec qui a fait des trois bricoles, mais parce que c'était par rapport à son entourage. Et je lui dis, mon frère, imagine-toi que t'es en train de me parler de choses que je faisais, j'avais même pas... J'étais même pas majeur. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, frère, je lui dis, Tchad, hein, tu me connais, tu vois, dans la vie, il faut avoir de l'ambition, il faut être ambitieux, mais surtout, il faut se donner les moyens. Il faut se battre, À un moment, c'est simple, tu es obligé de passer par une période de 8 jours, 10 jours, 12, ça dépend, de galère. Eh ben, tu prends tes couilles, tu les mets sur la table, et tu vas galérer, quoi. Et après, t'as un homme tout neuf. Jojo, je vais t'expliquer même un truc. Même un an de galère. Un an, même 12 ans de galère. C'est quoi dans une vie? C'est rien. Parce que quand les premiers billets vont rentrer, tu vas tout oublier. Voilà. Tu vois ce que je vais te dire? Tu redeviens tout neuf, mon frère. Les nerfs, les muscles, l'envie de faire des kilomètres, de bouffer la terre, elle revient. Roya. Donc ces gars-là, s'ils ne veulent pas sortir, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage. Parce que là, tu sais... Si je me serais resté avec ces gens-là, moi je les appelle les lesteurs. Les lesteurs de montgolfière. Ils te lestent comme une montgolfière. Tu as vu le poids qu'on enlève pour monter ou le poids qu'on met pour descendre? Ben, eux, ils ne veulent pas que je t'envoie. Ils te mettent des poids et te lestent. C'est même pas le panier à crabe.
C'est même pas genre, je veux pas la victoire, je veux que tu perds. Non. C'est des mecs, si tu sors de chez toi, par exemple, tu es de bonne humeur, je te dis, quand tu es joueur parisien, quand tu arrives, oh, les mecs, ils ont tous des nuages de pluie dans la tête. À fond. Tu vois, ils vont te parler, enfin, pas, tu sais, quand je dis ça, on se comprend. Mais ce genre de personnes-là, c'est ça que je disais tout à l'heure à Baksou, tu vois, genre de cassos. T'as vu, tu vois, demain, tu sais, parce qu'on parlait par rapport à la chaîne, tout ça, tu vois, je vous expliquais, enfin, avec les boycottés plein de fois, mais après, comme je dis, plutôt des cassos, frère, ça sert à rien. Ah oui. Autant être. Tu vois, moi, je préfère quoi? Je préfère, tu vois, par exemple, des gens de plusieurs milieux différents, qui ont eu plusieurs expériences de vie différentes. Mmh. Mais c'est là où tu vas faire des bonnes choses. Mais si tu fais à la fin toujours les mêmes choses, à la fin, tu vas être quoi? C'est comme la radio de l'autre palais, là, frère. Oh, tu, il y a des cassos qui passent. Tu peux se dire? Ah ouais. Moi, ça m'a fait. Enfin, toi, il y a des gens, des civilisés, intellectuels, minimum. Ouais. C'est normal, si tu tombes que sur des imbéciles. Tu vas leur dire deux, trois mots qu'ils ne comprennent pas, ils vont te prendre pour Jésus-Christ. Non, ils vont dire c'est Jésus-Christ, celui-là. C'est juste un gourou, là. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Je te comprends. Je te comprends. Et parmi tout ça, il y a de tout, quoi. Il y a même des personnes, elles ont la méchanceté en eux. Le pire, c'est des personnes. Elles ont la méchanceté parce qu'elles sont dans un clavier, Jojo. Voilà, tu vois, mais dans la vraie vie, ces personnes-là seraient en face de toi. Elles ne te diraient pas ce qu'elles pensent. Non. Tu vois, mais quand je dis, quand je parle de ça, je ne parle pas forcément dans le mauvais ou dans. Un exemple, le mec, tu lui ferais un plat de pâtes, qu'est-ce qu'elle pense? Ouais. C'est le genre de mec, même s'il n'aime pas, tu aurais mis de la merde dedans, tu aurais dit que ça avait goût. Oh, c'est dégueulasse ce que tu as mis dedans, c'est bon. Hein. Tu vois ce que je veux te dire, déjà, tu n'es pas honnête. Ah ouais, tu vois, c'est pas honnête. Tu as vu, moi, je suis en mode nucléaire, je suis prêt à tout détruire et à faire autre chose que ces gens-là, je ne veux plus les voir. Quoi. C'est simple. Soit elles s'excusent. Et elles disent, ouais, c'est bon, tranquille, et je verrai, quoi, je verrai. Parce que c'est bon, quoi. Voilà. Tu vois, c'est trop. T'as voulu jouer à trop, eh ben regarde, c'est trop, ça y est, c'est fini, paf, paf, le mur de Berlin, pif, pif, voilà. Allez, je vais t'apprendre, moi, la politesse. Les gens, ils sont polis avec toi quand ils ont besoin, ils te lèchent le cul, puis après, ils parlent différemment. Ou ils sont pour parano, ils fument trop, mon frère. Wallah l'adim, ils fument trop. Vas-y, c'est comme ça, tataf. Oh, on se connaît plus. Mmh. Ouais. Et le pire, mon Jojo, c'est que c'est des amigo, gens... Mon amigo, ouais. Et c'est des gens, t'as voulu les aider. T'as voulu les aider à plusieurs reprises. Mais t'as voulu les aider. Une fois qu'il a les pieds hors du trou, il va tout faire pour te pousser dedans, frère. Ouais, bien sûr. Oui. Ou il va te prendre de haut. Alors que poteau, c'est moi qui a fait de toi ce que tu es. Ben oui, là, il me vient, je te pulvérise ici et tout de suite. Je te pète et tu te roupettes ici et tout de suite. Big up à Mel, on l'a Mel de Scarface, c'était un bon lui aussi. Ouais, Mel, ouais. Il n'a pas eu peur, Mel. Hein. On va poser gentiment, sinon je te pète et tu te roupettes de Cuban. Ici et tout de suite. Oh putain de merde. On l'a quand ça, c'est le genre de phrase que. Oh là, frère, il ne faut jamais me sortir un truc comme ça. Je fais une crise cardiaque, je fais une tachycardie, tu m'as Je te pète tout, je te pète de Cubain, ici et tout de suite. Oh là, Kmel, franchement, big up à toi, Kmel. Pas des pigeons. Il a du rouge à cause de la petite. Voilà, ouais, Jojo, tout à l'heure, je disais ça pareil, tu sais, bon, pas dans les semaines à venir, hein, mais dans quelques temps, t'as vu, je m'aménagerai une petite pièce, comme ça, quand je monte, t'as vu, je mettrai la caméra, t'as vu. Mais, je l'ai déjà mis, tu connais, en mode Daft Punk, je ne montrerai pas ma tête. Voilà. Mais à chaque fois, je mettrai des masques différents, histoire d'ambiancer un peu, tu as vu? Oui, j'ai déjà pensé à ça, voilà, tu sais, avec une casquette, un truc machin, tu sais, le truc qu'ils avaient donné là, pour clac-clac, qu'on mettait tous, là, il y a 2-3 ans. T'inquiète, hein, j'ai des masques du futur, le musée. J'ai des cartes futuristes. Ah ben, je vais faire des efforts alors, je vais faire autre chose, tu vas voir. Mais ça va être... Non, je t'en donne si tu veux aussi, parce que j'ai pris un lot là, tu vois, va pas tarder à arriver. Ah ok, ah ben, avec plaisir mon frère, on parlera en mode Daft Punk. Voilà frère, et en plus c'est des casques, franchement, voilà que c'est des méchants casques frère, t'as vu? Ah ouais. Et de base, t'as vu, je les avais pris, t'as vu, pour... Je me suis dit au début, t'as vu, ouais, tac, pour la trottinette électrique, t'as vu, après, je me suis dit en vrai, non,
ça c'est du tu connais, ça c'est des trucs quand tu dois, tu montes pas ton visage, tu mets ces casques là frère, au calme. Ouais, un petit truc sympa, tu vois, là ces derniers temps j'étais pris, enfin je suis un peu pris par rapport à, tu vois, ma vie personnelle, mais Inch'Allah, tu sais, comme tout, hein, il y en a dans quelques temps, là, ça va se libérer un peu, c'est normal. Ben oui. Tu vois, et puis là, ouais, là, je te dis, frère, je vais prendre une pièce, frère. Je vais t'en faire un petit studio. Et comme je disais aux frères, on va donner la... Oh, c'est pas on va donner la force, parce que la force, ils l'ont déjà, frère. La Jojo, elle a déjà les bras en putain, frère, t'inquiète. Mais on va ambiancer la room. Ah, sans pitié, ouais. Exactement. Mais ouais. Ah, ça me tarde, voilà. Ouais. Dis-moi, frérot, tiens, manger. Je te laisse avec la famille ou moi, je vais aller becter, là. Regarde, ce qu'on fait, si tu veux, on dit un big up à tout le monde. Ouais. Et tu rouvres après, il n'y a pas de problème. Mais je vais t'envoyer un message, comme ça, tu as mon bigot. D'accord, oui, ouais, super. Ouais, d'accord. Comme ça, ouais, non, après, je vais juste faire quelque chose, là, après, non, je suis libre, ouais. Mais je vais profiter de le faire maintenant tant que tu grailles. Parce qu'après, je vais pas te mentir encore. J'aurais mis la caméra et tout. Là, j'aurais tapé un délire. Voilà, je reste 2 heures avec eux si tu veux. Oui. Mais là, comme ça. Parce que j'ai un truc à faire. Il va falloir que j'aille le faire. Tu vois, donc je vais profiter de le faire maintenant. Là. Ouais. Mais de toute façon, on se voit. Maintenant, tu m'envoies ton num. On se voit bien. J'envoie le numéro, t'inquiète. Tu m'accalmes, tu veux, frère. Tu connais mon chemin. Oui. On s'en met à campus en ce moment, je me fais les nuits, tu vois, donc... Mais il est gentil, le petit Wallah, et il ne haggle pas, frère. Ah, bien. Voilà, il fait des nuits tranquilles. Génial, mon frérot. Eh ben, je te fais un gros bisou. Bonjour, les soupages. Je vous fais plein de gros bisous. On embrasse fort, mon frère. On t'embrasse la famille, les enfants et madame. Ah, super, mon frérot. Ils sont bons, les enfants. C'est les meilleurs, mon frère. Très gentil. Merci à toi. Et je t'embrasse fort. Moi aussi. Salam alaikum. Salam la famille. Ouais, salam. Ah, et je voulais dire aussi avant de partir, voici en exclusivité première, les amis. Elle est nulle part. Abonnez-vous, faites abonner des amis. On va se faire un beau petit truc sur Redouane. Il sort son livre en octobre. Octobre 2023, et voilà quoi. Et la couverture du livre n'était pas encore sortie, et là voilà quoi. Vous l'avez en personne là, nulle part. La sœurette Leïla et Redouane, ils ont voulu qu'on l'ait en premier pour vous la montrer aux auditeurs de Fréquence Radio, parce que Redouane et toute sa famille, ben, ils vous kiffent, ils nous lisent, ils sont là, et ben. On les aime. Redouane, je t'aime, mon frère. Wallah, je t'aime, mon frère. Je t'aime. Redouane, wallah, je veux que tu sortes, mon frère. Je te porterai sur mes épaules si je peux. Mais Redouane, Inch'Allah, tu seras bientôt dehors. Et je te présenterai un sosie à toi. Je ne dis pas qui, mais il lui ressemble, le bougre. Ah ouais, il lui ressemble. Sur ce, Habib, Domenico, David, Jamila... Jamila, t'as une question, je lui demande tout simplement de retirer sa vidéo et de ne plus parler de ma famille sous peine de poursuite pénale contre lui. C'est qui ça, Jamila Faïd? J'informe que ma famille ne sommes plus en contact avec cette personne qui prend Jojo depuis. Ah ouais, j'étais avec. Voilà, mytho. Tu sais avec qui j'étais là, avec Laïla, quoi. Vous avez gardé ce message à la con. Arrête, il n'y a pas de Jamila chez la famille Faïd, quoi. Donc arrête de faire on était avec et la preuve, regarde, c'est que Redouane et Leïla et d'autres m'ont envoyé la photo la première, en premier lieu, voilà. Je vais demander à Leïla s'il y a une Jamila chez elle, on va rigoler, quoi. Attends, on va rire. On a toujours été en contact, connasse. Attends, tu vas voir. Attends, j'essaie de trouver la sœurette.
Attends. De ta période de ta vie, quoi. Comment elle s'appelle, autre quoi, là? Attends, elle est où, quoi? Jamila. Attends, on va voir ça, quoi. Grande sœur Laïla, Laïla Faïd, ouais, qui parle directement, qui est la seule à avoir Redouane tous les jours. Tous les jours, Jamila, elle a Redouane. Et tous les jours, on discute avec. À l'occasion, on discute avec Laïla, quoi. Et je crois qu'elle ne te connaît pas, quoi. Elle ne sait pas qui tu es, quoi. Ouais. J'attends de voir s'il y a la réponse, là, si la soeur est à... parce qu'elle est à table, elle prépare à manger aux enfants. Et tu vas te taper l'homme de ta vie, quoi. Alors, les trolls, tout ça, ne vous embarrassez pas. Vous savez pas ce qu'on fait par derrière. On discute la nuit, on discute entre belles personnes. Voilà, on fait pas monter n'importe qui, quoi. Il y a des gens, ils ont qu'à prendre leur pouce et faire des pouces à droite à gauche, quoi. Ils auraient pu être avec nous, mais voilà, c'est pas le cas. Allez, commencez les proches à XYZ là, à écrire des messages. Ouais, t'es pas bon, ouais, t'es ceci, les trolls. C'est des jaloux, quoi. Des jaloux, voilà. On explique la vie. Ils prennent des faux noms, je sais pas, je dirais une connerie comme si que X, Maria ou je sais pas qui, ils allaient créer des faux comptes, insulter Maria ou je sais pas qui, ou moi, quoi, tu sais, par exemple, j'en sais rien, quoi. Moi, je le fais pas, quoi. Je vais le faire réveiller un peu. Donc, viens pas. On est, tu sais, tous les jours, depuis quelque temps. Je discute un peu, voilà, des choses plus ou moins. Et voilà donc la preuve. Laïla, elle me l'a envoyé hier, avant-hier, 2 ou 3 jours, je sais plus. La nouvelle, regardez bien, ça c'est introuvable. On a en exclusivité la future couverture du livre de Redouane Faïd. Elle y est nulle part. Il y a des gens qui ont commandé le livre, ils n'avaient pas encore la couverture, quoi. Tu vois, et ça a été parce que Redouane l'a voulu. Il a dit, tiens, pour Jojo, là, il a dit lui que ta taf. Et voilà, ta taf. Et ces gens-là, ils viennent, ils font style. Oui, non, il n'est plus en lien avec ma famille. Je suis en lien avec mon frère Redouane et ma sœur Leïla. Et ouais. Et des fois, on taquine un peu les. Et autre, comment il s'appelle, le colonel Joli Goudron, Louisette Lavray, qui est un des plus grands enculés de YouTube qui change de nom, qui a 400 comptes, ce type-là, jetez-le, Joli Goudron, là, Louisette Lavray, jetez-le, désabonnez-vous de ces chaînes de merde. C'est des type, putain, comment il était dégoûté quand on avait une chaîne, elle pétait les records, quoi. 1500 personnes en direct, le type, il était mal, il était dégoûté. On lui dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les chaînes. Alors que lui, c'est un ringard, quoi. C'est un has-been. Il était en dessous, quoi. Tiens, on lui pissait dessus, quoi. Carrément, quoi. Type, on lui a fait comprendre que c'était. Il voulait que j'aille voir ses trucs, que je rentre dans sa chaîne. Ouais, vas-y, viens dans ma chaîne, on fait ça, on fait ça. Vas-y, ouais, mais non, je suis avec. Ouais, mais on leur trouvera quelque chose à faire à Maria, t'inquiète, mais tu les prends pour des cons, je les défends, moi aussi, Maria, tout ça, quoi. Même si c'est pas tout le temps le cas pour moi.
Ah ouais, il y a des types qui sont partis, types qui est parti dire qu'il payait un Canadien né le même jour qu'eux, blablabla, il est jaloux, et si moi je suis jaloux, c'est toi qui viens chez moi, qui fais ci, qui fais ça. Moi je te dis juste, c'est bon, arrête de faire tes merdes de copier-coller, s'en bat les couilles, tu m'énerves. Comme il s'appelait cette espèce de Québécois à la con, quoi. Moi j'aurais aimé que quelqu'un dise, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, ce type-là, c'est un enculé. La personne, elle a pas dit ça, elle a juste dit, ah si, il a dit ça, mais c'est un fils de pute. Ok, moi j'aurais aimé qu'elle dise, s'il a dit ça, c'est un fils de pute, parce que j'ai jamais dit ça. Voilà, ça n'a jamais été dit. Pour moi, ça veut tout dire. Ok. Avec les chiens, faut être un chien, quoi. Les gens qui parlent dans le dos alors que vous les connaissez à peine. Ça, c'est de la. Voilà, quoi. Donc, voilà, ça part de là. Il faut qu'ils arrêtent, là, de faire leur petite manière, d'être gentil, gentil, mon cul. Montre-le que t'es gentil, quoi. On verra, quoi. Allez, allez, vive Redouane Faïd. Et arrêtez de faire des faux comptes sur la famille Faïd, quoi. Parce qu'il y a du monde dehors, ils vont vous tomber dessus. Et ils vont vous fracasser les deux bras, quoi. Ouais. Ta connerie, toi, t'es de la famille, il n'a pas de Jamila chez les Faïd. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Ouais. Il nous a permis, t'es qui, toi, connasse, t'es de la merde. Ma gueule ou quoi? Moi, c'est Redouane et Leïla qui m'intéressent. Redouane est le chef, c'est un champion, c'est le patron. Si Redouane, il choisit quelqu'un, Redouane Faïd, c'est mon frère, tu vois. On a parlé de lui tout à l'heure, donc j'ouvre. Il m'embrasse fort, je l'embrasse fort. C'est sa sœur avec qui il est tous les jours, qui fait les, tu vois, les allers-retours, quoi. Voilà. Donc, cherchez pas à essayer de... Parce que moi, Red, ça fait 15 ans que je le connais, quoi. Donc, vous allez taper les petits fourgons devant chez vous, là. Je déconne. Ah, les curieux. Il me disait, Redouane, il y a plein de curieux, ils m'envoient des lettres, ils aimeraient savoir comment on s'est connus, quoi. Des pauvres meufs d'Ajaccio qui étaient giclées, faisaient des amas, elles étaient giclées, elles n'arrivaient même pas à nourrir leurs enfants et tout. Je croyais que Redouane, il allait leur filer des sous, quoi, tu sais. Je pensais que, ouais, j'écris à Redouane, il va me filer de l'argent, quoi. Il va surtout te pisser à la bouche, ouais. Croyait que, tu sais, qu'on est un voyou, Tipeee d'aller lui faire un chèque de 10 000 euros, quoi. C'était fada, quoi, Tipeee le Heps. Il va pas faire pitié. Il me disait, ouais, celle-là et l'autre, là, ils veulent savoir comment on s'est connu, comment on s'est connu, comment on s'est connu. Mais t'inquiète, tu connais. Je leur envoie de la merde. Voilà. Et ouais, Redon, c'est mon frère. Ouais, mais c'est pas les vôtres. Il se met avec des gens bien. Tu vois un gars comme Touko. Avec Redouane, ça le ferait, quoi. Ouais. Et ouais, avec Touko, ça le ferait, quoi. Parce que Touko, c'est quelqu'un. Il a montré à moi. Moi, quand on me montre, c'est bon. Il a bon cœur. Il dit, tiens, vas-y. C'est pas grave, quand tu veux, on s'en fout. Comme ça. C'était pas le truc du monde, hein. C'est pas la qualité machin. Hein. Comme ça, le cœur. Bah, vas-y. Ça, il nous fout, quoi. Voilà, comme ça, j'ai entendu. Tu vois, mec. Non, non. Ne t'inquiète. Bon, Touko, ça, c'est la parole. Le reste, les cadeaux, en plus. Voilà, tu sais, il a fait beaucoup de bien à des gens. Je peux pas me permettre de le dire, là. Mais des 500, des 500, des trucs, des machins. Oh, le type, il donne, quoi. Hein, comme nous, on a essayé de donner un peu à droite, à gauche, à des malheureux, quoi. Mais jamais on a... Voilà, quoi. Merci tout court. Un bon papa en plus. Un bon papa. Ça, j'en suis témoin. Témoin oculaire. Un bon papa. Un gars comme lui, les autres, il n'y arrive même pas à la basket, quoi. Alors les trolls, putain. Les trolls. Vas-y. Téléphone à Laïla, comment elle s'appelle là. Elle ne fera jamais, quoi. Téléphone à Redouane. Elle va t'expliquer la vie. Elle a fait gaffe, tu joues avec des assassins, quoi. Il y en a certains qui tournent autour, quoi.
Donc, fais gaffe à ce que tu fais, parce que ils vont être méchants, quoi. Pas moi, mais voilà, quoi. D'autres, hein. Je t'aime, mon caballero, mon frère. Voilà, tiens bon. Tiens bon. Voilà, c'est un bon. Je sais que c'est un bon. Je sais. Je sais qu'il fait attention aux gens. Il ne va pas faire les cons. Il ne va pas leur donner n'importe quoi. Au contraire. Au contraire. Tu sais, il fera tout pour les aider et tout ça. Caballero, tu es mon frère. Voilà, tu es mon frère. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour toutes les choses que j'ai vues. Comment j'ai vu les enfants heureux, comment j'ai vu ta dame heureuse, je t'ai vu heureux. C'est un homme, il est heureux, caballero, caballero. Voilà, il est bien, il est bien, il est fort, il a, voilà quoi. Je me rappelle, moi, il y a 20 ans, j'étais autre chose, quoi. Mais je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Ça, c'est un bonhomme. Ouais. Eh ben, la Fafa, sur ce, j'ai regardé de voir ce qu'a répondu la sœurette. Elle est là, elle est en train de faire peut-être de casser la croûte ou. Mais en tout cas, elle va rigoler quand elle va voir ça. Elle va dire c'est qui ça? C'est qui ces gens, quoi? C'est qui? Comment il s'appelle la personne? Je retiens dans mon. Jamila, quoi. Il n'y a pas de Jamila, j'ai failli déjà d'une, quoi. Ouais, donc, va danser, quoi. Va danser. Dis-toi qu'on est en lien avec tu sais, 24 sur 24, quoi. Donc, sors de. Allez, je t'aime, mon frère, tout court. Je vous aime, la famille. Parole de Inch'Allah. Voilà, à bientôt. Merci la Fafa, je vous embrasse fort. Et on a passé un bon moment avec Seigneur Touko, avec toute la famille, c'était bien. Et il y a des trucs à dire, putain, ouais. Alors bientôt on va faire sur Matteo Messina Denaro, et on va faire sur la collaboration en France. Mais on va parler aussi du moi j'attends la fin pour que Laïla monte avec nous, la fin du procès de Redouane, quoi. Ouais. Redouane, notre ami, Redouane, notre frère, Redouane qui m'écrit, Redouane à qui j'écris, Laïla, où je, et la sœurette fait l'intermédiaire souvent, et par contre, elle, comment il s'appelle l'autre là, Jamila, t'as déjà écrit à Redouane, connasse, là tu lui écris, tu vas lui raconter ça, il va t'insulter, quoi, il va te dire, qu'est-ce que tu racontes, pauvre tâche. Pauvre tâche, quoi. Ouais, Redouane, il m'a dit, Jojo, t'es mon gars sûr, sur la tête de mon père. Je peux même te le montrer sur une lettre. Sur une lettre, il m'a dit, t'es mon gars sûr. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, tu sais pas. Alors, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Jalouse, quoi. Là, ça doit être un type qui se fait passer pour une nana, quoi. Je pense pas qu'une nana, elle se tape la honte comme ça. Voilà, quelle honte tu viens de te taper. Eh ouais. Savoir ce qu'on fait avant d'ouvrir sa gueule. Tu le savais, ça? Tu le sais pas, écoute. Nous, c'est Redouane, carrément, t'as vu? Redouane et sa grande sœur qui s'occupent des affaires de Redouane. C'est eux qui sont avec nous, derrière nous. Au-dessus de eux, il n'y a personne. Tu vois, Redouane, il n'y a personne au-dessus de lui dans sa famille. Comme sa sœur Laïla, il n'y a personne au-dessus de lui. Voilà, c'est eux qui s'occupent. Et c'est eux qui nous disent, mon frère, ta 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 ta. Voilà, regarde, là, toi, ce qui t'appelle, je ne sais plus comment, là. Regarde, tu sais ce que c'est, ça, tu le trouves nulle part. Ça fait 3-4 jours qu'elle me fait confiance, la sœur. 3-4 jours qu'elle me l'a filé. Elle m'a dit, tu l'as en avant-première, personne ne l'a eu, quoi. Ce que vous voyez, là, Redouane Faïd, Spirale, tout ça, ça doit sortir dans... Il y a même des gens qui ont acheté des livres, on leur a dit, il n'y a pas de couverture pour l'instant. Les couvertures, elles sont bloquées. Eh ben, regarde où elle est, la couverture. On a été les premiers en avant-première. En avant-première, on est les premiers depuis 2-3 jours, mais bon, je l'ai fait partir maintenant, à avoir la couverture du nouveau livre de Redouane. La première comme la quatrième de... Enfin bref, il y en a un qui ne connaît pas ça. C'est un peu un paysan, quoi. Tipi veut recevoir des auteurs, il ne sait même pas ce que c'est une quatrième de couve. Non, mais apprends à lire. Va dormir, quoi, Toto. Quatrième de coup, regarde, elle est à gauche. Tu comprends? C'est ce que c'est, non? Oh, marre. Le mur de Merlin, quoi.
les autres chiens, quoi. Ouais. Salut, mon Romanono. Mettez, les amis, voilà, une petite croix, une petite un petit pouce. Mettez un petit mot en dessous, voilà, même une connerie, je sais pas quoi, je vous répondrai. Ça fait, voilà, ça fait qui. Et c'est bon pour Redouane, c'est Redouane qui m'a dit ça. Pour quand il va sortir son livre, on va en parler à fond, ça soit bien, bien référencé. Question de référence, faites tourner, s'il vous plaît, pour vos amis. Dites-leur que c'est pour Redouane Faïd. Voilà, dites-leur, s'il vous plaît, c'est important, vous ferez quelque chose de bien. Voilà, faites tourner, faites en sorte qu'on soit de plus en plus. Et comme avant, hein, on était plus de 10 000, jusqu'à que les jaloux ou je ne sais pas qui nous fassent. Voilà, on est revenu de loin, mais on a toujours été là. On n'a pas baissé la tête. D'autres l'auraient fait bien, 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 bien avant nous. Il n'y a personne qui nous fait peur, personne. Surtout dans l'état maintenant où je me retrouve. Il ne manquerait plus que quelqu'un vienne me taquiner avec ma hanche ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà une ou deux personnes. Ça va être leur fête. Ça va être leur fête. Ouais. Les amis, ouais, voilà, tranquille. Oh, tu as vu des trolls jusqu'à ça va, ouais, je m'appelle Tatataf, ils représentent pas. Eh ben, tu n'as pas le fion parce qu'on était avec eux juste avant, quoi. J'ai la sourette, elle est là, elle me dit au top. Et ouais, même une autre personne, je peux pas dire qui, mais j'ai envie de plus parler de ma famille sous peine de poursuite pénale contre lui. Vas-y, ramène tes poursuites pénales contre moi, quoi. Que je rigole. Tu n'as même pas de vie, tu t'appelles même pas comme ça. Tu es personne, quoi. Juste quelqu'un qui est un peu jalouse. Qu'est-ce que j'y fasse, moi, tu sens que tu es jalouse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu es un troll, tu es une merde, quoi. C'est tout ce que tu es, quoi, une merde. Regarde-toi dans une glace, tu es une merde. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Rien. Moi, maintenant, je vais bouger, là. Tu vas bouger, il y a du monde. Je vais manger, je vais me doucher, je vais bouger avec des amis, quoi. On va faire des trucs qui sont interdits pour les petits pucelles comme toi, quoi. Un puceau, je sais pas si tu es un puceau ou une pucelle, quoi. T'as déjà touché une femme ou un homme, si t'es une femme? Non. J'ai l'impression que non, quoi. Ben, au lieu de faire le puceau sur le net, on va chercher des femmes. Il y en a plein, des femmes. Gentilles, des connes, comme toi, si j'en ai une. Tu comprends? Tu comprends ou tu comprends pas? Sinon, Laïla, elle va venir, elle va t'expliquer la vie, quoi. Ouais, donc j'essaie de revoir la sœur, quoi, vite fait, quoi, simplement. Ça fait plaisir qu'elle vienne, quoi. Si la sœur arrive là, elle va voir quoi? Que tu te sers de son nom? Waouh! Elle va t'incendier quoi! Parce que c'est toi qui te sers de son nom à dire je sais pas quoi. Là dans le cul, connasse. Quand on sait rien, on ferme sa gueule quoi. J'informe que ma famille ne sommes. Alors, nous avons que sa famille ne sommes plus en contact. Je vous informe que ma famille n'est plus en contact avec personne. Alors, cette CET, tu vois, cette personne, une personne, ou ce monsieur, CET2TE, okay, qui se prénomme Jojo depuis plusieurs mois. Ah ouais, c'est plusieurs mois qu'on parle ensemble. Ah, ça se trouve, c'est l'autre. C'est toi, Je ne pas comme ça. Je veux devenir. Journaliste, là. Tu imagines, ils te passent dans la plus pire des chaînes, quoi, ils te disent vas-y, un météo, le soleil, dégagez là. Qu'est-ce que tu vas faire, journaliste, là, t'arrives même pas. Elle fait que de la photocopie de trucs, elle change deux, trois mots, tu sais.
c'est pas journaliste, ça, ça, c'est une merde qui fait ça, quoi. C'est tout, quoi. T'es une merde, je sais pas. T'es une merde, c'est ce que tu veux, quoi. On a des cousins, c'est même pas ses cousins. Hein, ah, la honte, quoi. Les hackers, ils savent pas quitter, quoi. Ils sont pas les couilles de ta gueule. Mon cousin, c'est Hamid. Hamid, tu la connais? Non, je sais pas, t'es un de ses frères, mais je sais pas, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Ouais, non, non, je le connaissais. Ah ouais, comme ça. En 2008, en 2010. Ah ouais, il est mort en 2003. Uh-huh. Ah, il est encore plus con que le mur de Merlin ou les autruches en Autriche, quoi. Enfin, bref. Bref, bref, les amis. La vie est belle. N'oublions pas, c'est ça le plus important. La vie, elle est belle. Voilà, je m'en remets, quoi. Et j'emmerde tout le monde, de toute façon. J'ai fait des putains de vacances, quoi. Alors, ils auraient fait. Je sais pas quoi, pour participer, rien que pour participer, tu vois, être sûr, pouvoir essayer de. Ouais, c'est un truc, vous n'êtes pas sur cette planète. Ouais. Donc, ouais, bientôt, on va faire un petit truc sur Red, on va faire un petit truc sur la Gestapo. En France, 95% de Français, 5% d'Allemands. C'est juste comme ça qu'elle a réussi. Sinon, elle n'aurait jamais réussi. Ces 95% d'Allemands, on ne les trouvait pas dans les... On les trouvait dans les bas-fonds. Les gangsters. Palmieri, Piaggianazzi, le parti des Guérini, la Carabeng, Bonnier Lafont, gueule cassée, Francis André. Dans chaque région, t'avais des sauvages, quoi. Ça, faut l'apprendre aux mesquines, quoi. Les gros mesquines, quoi, qui connaissent rien, mais qui aimeraient bien, tu sais. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu. Merci, mon Bax. Merci, mon Bax. Ouh. Oh, putain, j'avais pas vu, quoi. C'est bizarre, ça. J'avais pas entendu, mon frère. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais. Une sorcière. Une fausse. Ils veulent savoir, tu sais, avec qui on est en relation. Donc, ils font style tataf, mais... peux leur dire. T'inquiète, Jamila, 100% raison, confiance. Regarde la preuve, t'as vu? La preuve suprême, ultime, regarde, ça c'est la couverture du livre de Redouane. Les gens ils prennent le livre, il n'y a pas la couverture encore, ils n'ont pas sorti encore. On est les premiers, quoi. Je vais l'écrire couverture. Couverture du premier livre de Redouane. Dernier. Dernier livre de Redouane Fahim. Bientôt,
Elle est où l'autre? Elle est partie? Elle est partie. Elle est partie. Ça y est. MDE, salut, salut, M2, 114, comment vas-tu, frérot? Leblon, salut, salut, Bactou 33. Et comme ça, là. Allez, comme ça, là. C'est des tocards, ces gens. Oui, Caballero. Voilà, c'est des tocards, mon frère. Et je peux te jurer que. Force à la famille Faïd. Ouais, à ce point. Bonjour. Ouais, à ce point. Je suis vraiment des malheureux, quoi. Ouais, j'ai tellement frère, voilà. Là, tu es une bombe, la famille. Tu es un bon. Merci à toi, merci à toi. Romanono, merci, le frérot. Camille Domenico Castiglione, l'amiable. David Mera, merci à vous, la Fafa. Vous êtes des bons, bons, bons. Voilà, heureusement que vous êtes là, vous êtes la famille. Il y a des mutantes ici. Ouais, ouais, il n'y a plus de merde à raconter. Ménage de la toi. Il y en a un paquet de trolls en ce moment, quoi. Ah ouais, ils sont deg. Moi, je suis content qu'ils soient deg. N'oubliez pas, les amis, partagez-le. Il y a la nouvelle. Partagez-le à fond. C'est la nouvelle couverture de livre de Redouane Faïd. Elle est pas, on la voit pas encore. Elle est en exclusivité, mais vous pouvez la faire tourner, voilà, en disant que ça vient de Fréquence Radio et non pas de chez je ne sais qui ou quoi, comment ça s'appelle, les mercenaires, là, les quatre fachos, là, tu sais, les quatre fachos, trop du cul, enfin, trois ou quatre, je ne sais pas quoi ils sont. C'est une espèce de glavio, là, des troncs, quoi, des troncs glavio, quoi. C'est type fort. Radio facho, quoi. Puis, tu as t'en faire. Radio facho, quoi. Ouais. Ok. Allez, la vie est belle, quoi. Bon, ben, je vais aller becter. Et après, je vais aller prendre l'air tranquille, quoi. Pépère. Sans plus aussi, non plus. Mais tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. J'espère que ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, quoi. Là, ça m'a chagriné de voir ça, quoi. Enfin, je pense pas, tu sais, tout est possible, mais j'espère pas, quoi. Voilà. Juste un petit coucou, salut, ça va, je suis content que tu sois là, que tu ailles mieux. Ça marche. Un pouce. Je peux faire des pouces pendant 10 ans, même pas une demi-quart de seconde, je t'adresserai la parole et on sera ici. Jamais. Donc voilà quoi. C'est la vie. Il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Parce que là, j'ai pas envie de te parler, plus du tout, quoi. Et on va voir si tu es gentil, si tu sais te comporter en personne gentille. Là, oui, peut-être. J'ai intérêt à être honnête. Non, laisse tomber, quoi. Allez, ciao, ciao, les amis. Voilà, ciao, ciao, ciao. Merci. Merci à vous toutes et vous tous.